Chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, bonjour. Bienvenue à Radio Athéna. Je suis aidé par mes compagnons habituels, mes compagnons et amis habituels, c'est-à-dire Pierre de Tirmont qui réalise l'émission et Maurice Klein qui participe à la discussion, notamment en lisant vos messages qui, j'espère, seront nombreux sur le fil de conversation en anglais de chat. Et au passage, je vous précise tout de suite qu'en bas du fil de conversation, il y a $1. Excusez-moi. C'est YouTube, c'est américain. Et ce dollar vous permettra, comme si vous allez à la messe pendant la quête, de cliquer sur cette image pour nous faire un don, car vous devez le savoir, l'argent est le nerf de la guerre. Et ce n'est pas la guerre qui est la continuation de la politique par un autre moyen, comme disait Clausewitz. Enfin, si c'est vrai, mais l'inverse est vrai aussi. La politique est la poursuite de la guerre par d'autres moyens. Donc il faut de l'argent, bien que nous soyons des valeureux combattants bénévoles, nous avons besoin d'argent non pas pour nous, mais pour développer nos actions, notre matériel, notre diffusion de nos images, de nos vidéos, etc. Donc il nous faut beaucoup plus d'argent que nous en avons actuellement. Nous avons par exemple un projet qui est de multiplier la diffusion d'autocollants, dont Maurice Klein et Pierre de Tirmont, quelques autres, comme Patrick Catelan, ont réalisé la conception. Hein, et j'espère que vous serez nombreux à les apposer sur les surfaces autorisées. Évidemment. Évidemment. Hein. Je prends des précautions. Pour que nos idées et notre image de marque qui propulse nos idées soit diffusé. Alors, je vous signale que nous avons un projet, il est trop tôt pour en parler, mais un projet que Pierre de Tirmont réalise pour faire mieux connaître les idées nationales libérales. Il est trop tôt pour en parler, je crois. Hein. On peut l'évoquer, je ne sais pas si c'est un secret. Parler du portail national libéral, évidemment. Alors, je vous laisse le présenter, Henri, c'est vous qui avez eu l'idée. Bah, écoutez, nous allons mettre en ligne dans quelques temps un portail national libéral qui sera intitulé ainsi, avec le sous-titre identitaire de tous les pays, unissez-vous. Ce qui est une paraphrase ou une parodie de quelle formule, cher Maurice Klein ? De celle de Charles Marx. De Charles Marx et de Frédéric Engels, qui ont dit dans le Manifeste communiste, prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Et nous, nous disons, identitaire de tous les pays, unissez-vous. Ce portail, eh bien, rassemblera des liens vers les ressources, c'est-à-dire les sites, etc., de tous les organismes ou de toutes les personnalités, de tous les penseurs qui, à travers le monde entier, de la France au Texas, de la France à la Corée du Sud, défendent peu ou prou les idées nationales libérales. Alors notre principe, c'est de ne pas être puriste. Hein. Par exemple, nous ne demandons pas forcément pour un Français d'être pour le Frexit et pour la sortie de l'euro. Il suffit qu'il soit pour la souveraineté de la France et contre l'Europe fédérale. Hein. Voilà. Et vous vous apercevrez bientôt que, quand vous pourrez consulter ce portail national libéral, combien... quelle est la force de nos idées dans le monde, hein. Alors, en Union européenne ou en Europe occidentale, malheureusement, il n'y a que trois pays où ces idées soient au pouvoir. Récemment, l'Italie de Giorgia Meloni. Depuis beaucoup plus longtemps, au moins 10 ans, la Hongrie de Viktor Orban, qui en Europe est le meilleur. Hein. Et ensuite, la Pologne de Kaczynski. Et dans le monde, bien sûr, il y a Trump et Bolsonaro qui sont maintenant de l'opposition, mais il y a Narendra Modi, M-O-D-I, qui est le Premier ministre de l'Union indienne. Et n'oubliez pas que l'Inde, la population de l'Union indienne, va, selon les statistiques officielles de l'ONU, dépasser celle de la Chine en avril prochain. Alors, en réalité, elle l'a dépassée depuis longtemps parce que les statistiques chinoises sont truquées, notamment... Elles sont gonflées, notamment, non seulement pour le PIB, mais dans une moindre mesure, pour la population.
Et si l'on songe que la population de l'Inde, l'Union indienne, n'est qu'une partie de celle de l'Inde au sens large, le sous-continent indien, parce qu'il y a 7 pays dans le sous-continent indien, l'Union indienne, le Pakistan, le Bangladesh, le Népal, le Bhoutan, Ceylan et les Maldives, on voit que la population indienne au sens large est très supérieure depuis longtemps à celle de la Chine. Ajoutez à cela que l'Inde a connu, il est vrai que c'était en partie du rattrapage après la mauvaise période du Covid, 9% de croissance en 2022, qu'elle va connaître, semble-t-il, 7% de croissance en 2023, alors que la Chine a officiellement fait 3% l'année dernière et devrait faire 3% toujours officiellement l'année prochaine. Mais comme vous savez, dans tous les domaines, il faut diviser ce qu'annonce, sauf pour la population, n'exagérons pas, les chiffres officiels de la Chine par le facteur pi, 3,1416. Hein. Donc en réalité, l'Inde est en train, à bris débattu, de rattraper la Chine aussi dans le domaine de l'économie. Bon, il faudra peut-être quand même quelques années, parce qu'elle a du retard, mais l'Inde est vraiment la grande... Donc il est très important de considérer qu'il y a au monde ce grand pays, l'Inde, qui a une politique nationale libérale. Alors à sa façon, nous ne sommes pas à nous, chacun est identitaire de tous les pays, unissez-vous, ça ne veut pas dire confondez-vous, bien entendu. Alors je parle, mais j'oublie de parler de l'actualité. Car l'actualité, c'est qu'il y a quelques minutes, est tombé le résultat de la motion de censure qui ne présentait aucune surprise. Alors, Pierre de Tirmont, vous avez regardé ça sur Internet. Quel est le résultat? Elle n'est pas passée à 9 voix près. À 9 voix près. Donc, le boulet est passé près de la tête de Macron ou d'Elisabeth Bornstein. Moi, j'aurais préféré qu'évidemment, elle passe ça. Mais je n'y croyais pas un seul instant, car l'addition qu'on pouvait faire des voix des uns et des autres montrait qu'on n'arrivait pas à la majorité absolue, qui est, je crois, de combien? De 287 97, de 287, je crois, hein, c'est ça? Je ne suis pas très doué avec les nombres, désolé. Non. vous êtes ingénieur, Maurice Seclin? Pas besoin de savoir compter. Comment? Pas besoin de savoir compter pour être ingénieur. Ah bon? M'inquiéter. C'est pour ça que le pays va mal. Oui, alors là, bon, alors, que dire sur le sujet? Alors, peut-être qu'il faut commencer par répondre aux questions ou aux commentaires sur le sujet. Il y en a une qui n'évoque qu'un aspect. Le principe de la FAQ d'aujourd'hui, qui est la combien, la 60e? 40e. Ah oui, c'est la 40e. La 40e seulement. Nous fêtons la 40e FAQ, comme les 40 jours. Sur quand même cette émission de Radio Athéna qui en est à la 129e édition. Hein. 129e. Depuis 2018. Alors, Neugordien aborde la question seulement par un de ses aspects. Il vous demande, que pensez-vous de l'attitude du Rassemblement National depuis son entrée en nombre au Parlement? Écoutez, je suis mitigé. Je pense qu'elle est habile politiquement, dans le but essentiel et unique pour Marine Le Pen de se faire élire en 2027. Je pense qu'elle est habile. Elle est habile. Les élus, très nombreux, nombre inattendu, inespéré, de 89, aujourd'hui 88, devaient faire preuve de sérieux pour corriger l'image désastreuse que les médias partiaux, cosmopolites, leur donnaient. Donc, de ce point de vue-là, c'est un grand succès. Alors, cela dit, ils auraient pu être un tantinet plus opposants qu'ils n'ont été. Et alors, je dois dire que j'ai du mal à pardonner à Marine Le Pen. Elle-même, contrairement à ce qu'on a dit, ne l'a pas voté. Mais la moitié de son groupe l'a voté. Elle a laissé faire le projet d'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Ce qui est un scandale. Bon. C'est d'ailleurs débile, puisque ça réagissait. C'était une réaction à une décision de la Cour suprême américaine qui, comme vous le savez, a déclaré que le droit à l'avortement ne faisait pas partie de la Constitution. Ce qui est évident, du point de vue juridique, je dirais que si elle avait appliqué la Constitution d'origine, qui doit dater de 1786 ou 87, elle aurait dû dire qu'en réalité, l'avortement était interdit par la Constitution et qu'il aurait fallu amender la Constitution pour l'autoriser. Mais bon. Donc c'était réagir de cette manière à une décision américaine est une espèce de marque implicite de servilité absurde. Mais c'est surtout odieux. Nous sommes l'identité d'un individu est constituée dès la conception. Il a son identité génétique, son ADN,
depuis le moment fatidique de la conception, et pour un chrétien, il a une âme. Donc, la mise à mort, donc l'avortement involontaire et la mise à mort, d'un enfant innocent décidée par sa propre mère. C'est abominable. Bon. Et on ne répétera jamais assez le fait qu'en 1975, la loi de l'horrible Simone Veil, 17 janvier 1975, ait légalisé l'avortement, et qu'en 1981, la loi de l'horrible Robert Badinter ait interdit la peine de mort, est symptomatique de l'inversion des valeurs qui caractérise l'idéologie cosmopolitique qui est aujourd'hui l'idéologie dominante, la pensée unique. On autorise la mise à mort d'un enfant innocent et on interdit la mise à mort du criminel le plus atroce. Bon, voilà, donc, autre commentaire peut-être sur le 49.3, il faudrait peut-être en parler, non ? Alors, sur le 49.3 lui-même, je ne vois pas de questions. J'avais continué quand même en précisant que j'ai donné un entretien à NTD, la télévision sino-américaine, qui devrait bientôt, je pense, être mise en ligne par Pierre de Tirmont quand nous l'aurons. Sur ma chaîne personnelle YouTube, Henri Delesquin, au propos du 49.3. C'était vendredi dernier, donc c'était avant le vote ou la signature, mais je n'avais pas de doute sur le fait que la motion de censure serait repoussée. Alors, je voudrais dire la vérité. Ceux qui prétendent que c'est antidémocratique racontent des imbécilités. Il n'y a rien de plus démocratique que le 49.3. L'article 3 veut dire que le gouvernement engage sa responsabilité sur un texte, si l'Assemblée nationale n'est pas d'accord, elle peut voter la motion de censure. Voilà. Et donc repousser le texte en faisant tomber le gouvernement. Je ne vois pas s'il y a plus démocratique que cela. Donc c'est absurde de dire que ce n'est pas démocratique. Donc d'autant plus que ça n'a pas empêché le débat qui a eu lieu avant, qui a eu lieu aussi à propos de la motion de censure. Je regrette évidemment qu'elle ne soit pas passée, parce que ça aurait été une claque pour l'infâme Emmanuel Macron, et pour l'horrible Elisabeth Bornstein, mais je dis horrible sur le plan politique, hein, je ne parle pas de son physique, je ne m'abaisserai pas à cela. Bien que personnellement je la trouve pas séduisante, mais bon, chacun son truc. Hein. Aujourd'hui, le gouvernement n'ayant pas la majorité, il va aller quart à quart, de 49.3 à 49.3, jusqu'en 2027, et personne ne sait exactement comment la situation va évoluer. Alors certains ont évoqué la possibilité d'une vaste crise qui serait pire que celle des Gilets jaunes. Il est vrai que le gouvernement a la faiblesse, car c'est un gouvernement de gauche, contrairement à ce qu'on dit. Ce n'est pas ni droite ni gauche. Macron est de gauche. La gauche cosmopolite, par opposition à la gauche plutôt marxiste et collectiviste de Mélenchon. Donc, l'extrême gauche bénéficie d'une espèce d'impunité, alors que quand c'est la droite qui manifeste un peu trop, elle est écrasée, même quand elle manifeste spécifiquement, souvenez-vous, l'affaire du mariage pour tous. On peut craindre certaines émeutes, certaines agitations, mais je doute que ça puisse aller très loin. Je ne ferai aucun pronostic dans ce domaine, mais je crois qu'on est plutôt à la veille d'un espèce d'engourdissement de la population que d'une agitation frénétique. Mais je me trompe peut-être. Sachant que lorsque la droite manifeste, malheureusement, quand elle manifeste contre le gouvernement, l'extrême gauche est beaucoup mieux organisée, et beaucoup moins naïve, réussit régulièrement, à capter le mouvement, ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement de droite à l'origine, anti-impôt, c'est des braves gens de droite. Et que les premiers commentateurs journalistiques qualifiaient même d'extrême droite, ils disaient qu'il y avait beaucoup de racistes parmi les Gilets jaunes, etc. Voilà, même des racistes au bon sens du terme, attention, hein. Enfin, ils ne le disaient pas. Et donc... Donc l'extrême gauche phagocyte ce genre de mouvement très rapidement. Tout ça parce que certains ont la naïveté de croire qu'on peut mener des actions communes avec l'extrême gauche, ce qui est impossible. Il ne faut pas fréquenter l'extrême gauche.
Précisément, Nicolas Cass demande « La motion de censure n'était-elle pas vaine tant que les partis anticosmopolites ne s'unissaient pas dans l'optique des futures, de futures élections ?» Mais de quel parti anticosmopolite voulez-vous parler? Parce que... Hélas, la gauche collectiviste n'est pas... Le parti pas... anticosmopolite qui existe, il n'y en a vraiment qu'un seul, c'est le Rassemblement National. Sur le sujet, on peut moins dire que la pseudo-droite LR est ambiguë. Et idem pour la NUPES, qui certes est essentiellement collectiviste, mais qui a mis dans son collectivisme une bonne dose d'immigrationnisme cosmopolite. C'est les. Donc, comme la question de l'immigration est cruciale aujourd'hui, pour combattre le cosmopolitisme, je ne vois qu'un seul parti anticosmopolite, et j'espère donc, quelles que soient les réserves et les critiques que j'ai pu faire autrefois, avant 2017, que Marine Le Pen sera élue en 2027. Vous ne pouvez pas m'interroger sur Zemmour, non Peut-être. Il n'y a pas de questions sur Zemmour. Alors, il faut commencer par, les questions des auditeurs. Alors, je vais commencer aussi par les dons. Donc, le comte du Monténégro, nous le remercions à double titre. D'abord, il fait un don de 100 dollars américains. Oh, bravo! Dommage que ce soit un peu moins coté que l'euro aujourd'hui. Hein. Il nous dit que c'est une contribution depuis l'Alabama pour la création du portail national libéral. Ah, il est gentil. Et par ailleurs, il rejoint les mécènes de la chaîne. Seront les futurs commandeurs de la cité. Qui seront les futurs commandeurs de la cité. Donc il est par avance commandeur de la cité. Monsieur le commandeur, tous mes respects. C'est le plus haut grade de soutien à la chaîne. Exact. Oui, alors je vous rappelle qu'il y a trois grades. Gardien de la cité... bienfaiteur de la cité et commandeur de la cité. Je peux en profiter pour les remercier tous. Ouais, allez-y. Alors, nous avons désormais donc un commandeur de la cité qui est le comte du Monténégro. Nous remercions aussi notre bienfaiteur de la cité, Denis Larenne. Merci. Nos gardiens de la cité, Élie Soucoup, Alain Gillard, Hélène Gabriel, Bertrand Prenat, Logos Demos, JT, Baptiste, François Yves, Leandro Conolato, Pétula France, Robin Pierron, Gilles Martin et Thibaut Grumbach. Et les donateurs... Merci, chers amis. Les donateurs via Tipeee, puisqu'on peut aussi donner par le compte Tipeee, dont le lien doit être dans la description de chacune de nos émissions. Oui. Tipeee ou PayPal, hein. Nos donateurs réguliers donc, de Tipeee sont Francoué ou Françoué. Il n'y a pas de cédille, mais... Baudouin, Michael, Adeline, J, Jérôme, Gaucho le gaucher droitier, Saphir, C++, Alix et Elogan ou Elogan. Alors beaucoup s'amusent en choisissant des pseudonymes abracadabrantesques. Hein. Gaucho le gaucher droitier. Et à l'instant, je vois 10 francs suisses d'Orlando. On prononce Bornstein. Comment où allez-vous? Non. 10 francs suisses d'Orlando. Orlando, Orlando, c'est italien. Hein, c'est Roland. C'est Roland italien. Orlando Furioso, c'est un opéra de Haydn qui est superbe. Je me rappelle que j'avais vu ça à l'opéra de Versailles, au château de Versailles. Alors c'était marrant parce que c'était malheureusement traité sur le mode baroque. On voyait arriver le colosse qui représentait Orlando et qui se mettait à chanter en haut de contre. C'est un castrat, peut-être. Ah non, pas du tout, c'était un autre contre. Le gars, il était baraqué, barbu, etc. Il se fait à chanter comme, barbu, avec une voix de femme. Un enfin, une voix de haute contre qui imite les voix de femme. C'est vraiment dommage. Tout à l'heure, à propos de l'avortement, Nicolas Cast demandait, n'y a-t-il pas une différence entre une grossesse de 3 semaines et une de 2 mois? Bah oui, la différence, elle est de... 2 mois, ça fait combien? Ça fait 9 semaines, 6 semaines. La différence est de 6 semaines, oui. Mais il n'y a pas de différence sur le principe. Dès lors qu'on a compris, ce qui est une vérité scientifique, que notre identité, que l'identité d'un individu, d'un être humain, était constituée dès la conception, il a tout son ADN, donc tous ses gènes, et que nous sommes d'abord notre ADN, nos gènes, nous sommes déterminés, notre identité est donc fixée dès l'origine. Si de plus... on est chrétien ou on a une autre religion qui admet qu'il n'y a pas que de la matière dans l'homme, mais aussi une âme. Donc, depuis la conception, l'ovule fécondé est déjà un être humain avec son identité génétique et son âme. Donc, si on le tue volontairement,
on commet un meurtre, et même un assassinat. C'est tout. Et peu importe... Alors, il y a une différence ensuite, évidemment, qui porte uniquement sur la souffrance éventuelle qu'on peut infliger à l'enfant. Car lorsque le système nerveux est déjà constitué, l'avortement qui détruit l'enfant peut le faire souffrir abominablement. C'est atroce. Lisez, plutôt regardez la vidéo que Gilles Legrand avait faite, qui est pour des raisons de censure sur la chaîne YouTube. Non, pas sur la chaîne YouTube, justement. Sur la chaîne BitChute. BitChute et Odyssée, les deux. BitChute et Odyssée, qui s'appelle La Shoah des enfants français. Je pense que si vous étiez... Si vous avez de l'indulgence pour l'avortement, une fois que vous l'aurez regardé, vous changerez d'avis. Notre gardien de la cité, Logos Demos, vous demandait votre avis sur les enjeux de l'accueil prochain par la France des Jeux Olympiques. Il demande s'il y aura des athlètes russes et si la guerre aura une influence sur les Jeux Olympiques. Écoutez, c'est en 2024. Donc en 2024, il y a peu de chances qu'on ait recollé les morceaux avec la Russie. Hein. Donc je pense qu'on interdira les athlètes russes en France, hein, vraisemblablement. Ce qui est un scandale, évidemment, mais passons. Mais puisque vous parlez des athlètes russes et de la Russie, j'ai envie de parler d'un sujet qui est beaucoup plus important, oui. Qui est l'émission d'un mandat international d'arrêt par la Cour de justice internationale contre Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, si vous voulez, on voit l'instrumentalisation d'une prétendue justice internationale qui est une manière de faire de la politique. Ça me permet d'ailleurs de parler de la prochaine rencontre du jeudi du Carrefour de l'Horloge qui aura lieu jeudi prochain, 23 mars à Paris, au CDH, 4 rue de Stockholm, Paris 8e. Et nous recevrons Maître Guilain Benessa, qui a écrit un beau livre qui s'appelle Le totem de l'état de droit, concept flou, conséquences claires, excellent livre. Et il interviendra sur le thème l'état de droit contre la démocratie. Donc, si vous pouvez, ne ratez pas cette conférence qui aura lieu donc jeudi prochain 23 mars à 19h précise aux 4 rue de Stockholm Paris 8e. Et malheureusement, je ne pourrai pas être avec vous parce que je serai à Reims ce jour-là. Voilà. Pour vous faire sacré. C'est prématuré. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas... J'estime que chaque époque son régime et que je ne suis pas pour le sacre des rois. Vous imaginez qu'on en ait sacré l'infâme Macron non Terrible. Hein ? Ce serait un sacrilège. Donc, alors, cette histoire, cette décision est ahurissante. Hein. La Cour pénale internationale n'a pas envoyé un mandat d'arrêt contre Xi Jinping, alors que depuis des années, il extermine les Ouïghours. Il se livre un populicide à la fois culturel et physique contre les Ouïghours. Bon, j'ai pas une sympathie modérée contre l'égard des Ouïghours, mais pas parce que ce sont des hommes. Donc je dis, les Ouïghours sont des musulmans turcs, de race essentiellement mongoloïde, et je leur reproche en particulier d'avoir exterminé, au 9e siècle après Jésus-Christ, nos cousins indo-européens qui étaient les Tokariens, qui occupaient le Xinjiang, l'actuel Xinjiang. Ouais. Alors, tout s'est exterminé. Enfin, sur la technique turque, on tue les hommes, on prend les femmes et les enfants. Donc, on se mélange un peu, et même beaucoup. Et voilà, donc d'une certaine manière, les Chinois aujourd'hui vengent nos cousins tokariens. Mais bon, ça ne justifie pas la cruauté et l'abomination de cela, et la Cour pénale internationale n'a pas eu l'idée de lancer un mandat d'arrêt contre Xi Jinping. Bon. Et alors, surtout dans cette affaire, ce n'est pas pour de prétendus crimes de guerre qui seront reprochés à la Russie. On se demande pourquoi on n'en reproche pas d'ailleurs à l'Ukraine, qui a dû en commettre au moins autant dans la réalité. On lui reproche cette pseudo-cour, car je ne peux pas appeler ça un tribunal, cette formation idéologico-politique pseudo-juridique appelle la déportation d'enfants.
Tout ça parce que quelques milliers d'enfants ukrainiens ont été adoptés par des familles russes. Ce qui est une manifestation d'humanité et pas du tout une déportation. Enfin, on marche sur la tête. Hein. On marche sur la tête. Mais on voit que la Cour pénale internationale, qui est un des éléments importants de ce que nous appelons ici, nous, au PNL, la superstructure mondiale, c'est-à-dire l'ensemble des organisations dites internationales, mais qui sont en réalité supranationales, qui sont complètement détachées des nations, à commencer évidemment par l'ONU, l'OCDE, l'Union européenne, et ainsi de suite, et les ONG, organisations non gouvernementales, qui gravitent autour des précédentes. C'est la superstructure mondiale qui est le principal instrument institutionnel de la superclasse mondiale. Je résume ce que vous trouverez sur notre compendium doctrinal qui s'appelle « Sagesse des nations libéraux » qui se trouve sur le site lesquin.fr. L-E-S-Q-U-E-N.fr. Question de Dualipad. Bonsoir, j'ai vu la conversation de M. de Lesquin chez les salafistes de Radio Principe. Est-il au courant que le lendemain, il disait en direct rêver d'apposer le croissant islamique au milieu du drapeau français? Je suppose qu'il n'y a pas la fin de la question. Non mais bon, ça ne me surprend pas. Ce sont des musulmans intégristes. Ou même de vrais musulmans. Alors, l'islam veut conquérir le monde. Voilà. Donc ils ont simplement rappelé leur doctrine. Bon, ça ne veut pas dire que nous devons la partager, nous devons les refouler, non pas les accepter chez nous. Mais pour autant, je ne vois aucun inconvénient à discuter avec des gens dont je ne partage pas les idées. D'ailleurs, je partage certaines de leurs idées, parce qu'ils sont anti-cosmopolites. Bien que l'islam soit mondialiste, il n'est pas cosmopolite. Farglory77 vous demande si vous avez des conseils de lecture pour découvrir l'histoire de l'Inde et sa civilisation. C'est immense. C'est un sujet immense. J'ai bien aimé autrefois l'histoire de l'Inde d'Alain Danielou. Alain Danielou était le frère du cardinal Jean Danielou. Et lui s'est converti à l'hindouisme, sans doute parce qu'il était homosexuel et que... c'est embêtant quand on est un bon chrétien d'être homosexuel, puisque c'est condamné par le christianisme, et par saint Paul en particulier, alors que dans l'hindouisme, ça ne soulève pas de difficultés générales. Et alors il a réussi, contrairement à la doctrine intégriste des hindous, à se faire accepter comme hindou. Il a été intégré comme membre des Shudras. C'est la dernière caste, la caste non-aria, parce qu'il était musicologue, musicien. On l'a accepté. Et il était donc, comme sont souvent les néophytes, archi... ou les prosélytes plutôt, archi hindouiste, il a rajouté, et donc son histoire de l'Inde est très intéressante. Alors il faut se méfier de certains auteurs qu'on met en avant, comme Jaffrelot, qui sont des cosmopolites, qui donne une idée fausse de l'Inde. Si vous voulez vous intéresser à la religion, il y a beaucoup de livres sur l'Inde. Hein. Vous pouvez commencer par lire dans l'histoire des religions de la Pléiade ce qu'a écrit Jean Varenne. Il a écrit deux ou trois articles, enfin plus que des articles, des opuscules qui sont intégrés dans cette encyclopédie. Histoire des religions, en trois volumes dans la Pléiade. Il a écrit sur... Non, il en a écrit deux, je crois. Il a écrit un chapitre, quand je dis un chapitre, c'est 100 pages, hein, ou 80 pages, sur la religion védique, et un autre sur l'islam contemporain. L'article intermédiaire sur l'hindouisme, j'ai oublié le nom de l'auteur, est beaucoup moins intéressant et beaucoup moins convaincant. Mais Jean Varenne, c'est remarquable, hein. Remarquable. Bon, alors l'hindouisme, moi j'ai une sympathie réelle pour l'hindouisme, bien qu'il faut quand même savoir que les hindous nous considèrent comme des barbares. Hein. En dessous des orcastes, des chandalas. Ce ne sont même pas des chandalas. De leur point de vue. Je suis prêt à discuter quand même avec des brahmanes pour leur expliquer que nous descendons des aryas autant qu'eux et que par conséquent nous avons autant de titres qu'eux, nous prétendent brahmanes. Brahman, Kshatriya ou Vaishya. Guillaume Roux vous demande ce que vous pensez du fascisme.
Le fascisme, j'en ai parlé beaucoup. Nous avons fait un bouquin au CDH sur le fascisme qui s'appelle « Socialisme et fascisme, une même famille ». Et j'ai fait l'introduction et j'ai expliqué que ce qu'il faut bien retenir, c'est que le fascisme est un socialisme national. C'est un mouvement révolutionnaire qui veut créer un homme nouveau. Donc c'est un mouvement de gauche et non pas de droite. Simplement, entre les deux guerres, il y a eu... le clivage n'était pas un clivage droite-gauche, c'était un clivage différent. Front anticommuniste contre front antifasciste. Donc la droite a éclaté, une partie des gens de droite par antifasciste s'est alliée aux communistes, et inversement, une partie des gens de droite par opposition aux communistes s'est alliée au fascisme. Je dis ça notamment à Brice Seclin qui se posait des questions sur le clivage droite-gauche autrefois. Le fascisme, cela dit, en matière de socialisme, il faut dire que quand même le fascisme, c'est ce qu'on fait de mieux, de moins mauvais plutôt. Bon, c'est un mouvement de gauche, mais le fascisme est un rehaussement éthique du socialisme. Parce qu'il il répond plutôt que le... Alors que le socialisme classique est une hypertrophie de la fonction marchande, le fascisme est une hypertrophie de la fonction guerrière. C'est beaucoup mieux. Alors ce n'est pas la fonction souveraine, mais c'est quand même beaucoup mieux. Et de toute façon, le fascisme a disparu. Il a disparu en 1945. Et certaines personnes de droite ou d'extrême droite qui ont de la sympathie pour Hitler devraient lire l'article que nous avons fait, que j'ai fait, qui figure sur lesquin.fr ou sur netlib.fr, c'est cela, qui s'appelle « Hitler était socialiste », où j'ai démontré par A plus B que dans le cas particulier du fascisme hitlérien, qui est une forme de fascisme, il fallait savoir que Hitler était de gauche. Et j'ai donné les références, notamment au livre du CDH, Club de l'horloge autrefois à l'époque, et aujourd'hui Carrefour de l'horloge, Socialisme et fascisme, même famille. Nous avons d'ailleurs reçu autrefois, je crois que c'est Frédéric Lemoal, qui a fait un beau livre sur le fascisme italien, enfin sur le fascisme d'origine, hein. Et simplement, rappelez-vous, pour vous fixer les idées, que Mussolini, l'inventeur du fascisme, était en 1914 le directeur de l'Avanti. L'Avanti, c'était l'équivalent de l'Humanité. Alors, c'était avant la division des socialistes marxistes entre communistes et non-communistes. Il était le directeur de l'Humanité italienne. Bon. Et le phénomène qui a très bien été décrit par Zev Sternel, un historien israélien, c'est que alors, grande surprise, les socialistes, donc les marxistes, ont découvert que la formule prolétaire de tous les pays unissez-vous ne fonctionnait pas. Lorsque la guerre a éclaté en 1914, les partis socialistes sont en majorité ralliés à la défense nationale ou à la guerre nationale. Ils n'ont pas appelé les soldats à mettre la crosse en l'air. Et donc il y a une mobilisation générale, l'Union sacrée, qui a emporté la doctrine de la lutte des classes, la doctrine de l'internationalisme prolétarien. Et donc, ces révolutionnaires marxistes se sont aperçus que le prolétariat n'était pas la force révolutionnaire qu'ils comptaient, qu'ils espéraient. Ils ont estimé que la nation pouvait remplacer le prolétariat comme force révolutionnaire. C'est ça l'origine du fascisme, intellectuellement. Et est-ce vrai que la maîtresse de Mussolini, Marguerite Sarfatti, a eu une grande influence intellectuelle sur lui? C'est encore de la propagande judéocentrique. Ouais. C'est n'importe quoi. Oui, il a eu une maîtresse juive, ouais. Bon. Voilà, il n'était pas spécialement anti-juif. Hein. Dire que sa maîtresse sur l'oreiller... Non, je crois que tout ça n'est pas sérieux. Florian Favreau... Je fais une parenthèse. La propagande judéocentrique invente des juifs partout. Et alors certains antisémites, ou anti-juifs, tombent dans le panneau et voient des juifs partout. C'est la connivence des oppositions. Ouais, c'est ça, c'est la complicité, une espèce de complicité d'opposition, mais alors que chez les juifs, chez les propagandistes judéocentriques, c'est intelligent, c'est stupide pour les opposants. Oui. Alors on invente que Christophe Colomb, comme il a découvert l'Amérique, il fallait qu'il fût juif, et ainsi de suite. Jean Bodin, qui a rien de juif, était juif. Gambetta, alors il paraît qu'en remontant la généalogie de Gambetta, on trouve un juif qui serait venu d'Espagne 3 siècles avant. Mais supposons que ce soit vrai, ça ne fait pas un juif. Ça, c'est ridicule. Bon. Ridicule. Bon. Et puis, il faut savoir aussi, pour établir la vérité, que, eh bien non, désolé, chers amis, ce n'est pas Albert Einstein qui a trouvé la relativité.
c'est Henri Poincaré. J'ai fait une vidéo, il y a aussi un article sur le site du CDH, carrefourdelhorloge.fr. C'est donc Henri Poincaré pour le principe de relativité, puisqu'on appelle la relativité restreinte, et c'est David Hilbert pour ce qu'on appelle la relativité générale, qui paraît-il, d'après feu notre ami Gilles Leveugle, est plutôt une théorie de la gravitation. Florian Favreau vous demande si l'adage « pas d'ennemis à droite » vaut aussi pour ceux qui prônent une nation européenne. Bah écoutez, ça se discute. Alors l'adage « pas d'ennemis à droite » ne doit pas être incompris. Il signifie simplement que lorsqu'on est de droite modérée comme nous, qui sommes libéraux, démocrates et républicains, dans tous les sens du terme pour le mot républicain, nous ne considérons pas que nous devrions avoir de l'hostilité pour des gens qui sont que nous pouvons classer à l'extrême droite, qui sont plus à droite que nous. Ça, c'est le raisonnement des candoles. Bon. Mais pour autant, on peut avoir des ennemis à droite, malgré ça. Non pas parce qu'ils sont de droite, mais parce qu'eux sont nos ennemis. Bon. Alors, j'étais obligé de constater que la PND, la prétendue nouvelle droite, de Limon d'Alain de Benoît, que j'ai ménagé, j'ai cru que nous pouvions avoir, nous, les nationaux libéraux, une forme d'alliance avec ces gens-là, eh bien, je me suis aperçu qu'en réalité, c'était peine perdue, qu'ils travaillaient essentiellement contre les intérêts de la nation. Et donc, je crois aujourd'hui que l'européisme, oui, est inacceptable et intolérable, et qu'il est plutôt nuisible, même quand les gens sont bien aspirés par d'autres côtés. Donc je pense que les européistes ne doivent pas être forcément classés parmi nos ennemis, mais ils sont suspects de trahir la nation. Oka donne 24 euros. Merci. Il dit « Bonjour monsieur de Lesquin, pensez-vous bonjour. Qu'un coup d'état des généraux serait possible aujourd'hui en France, et qu'en penseriez-vous si cela survenait ?» 1. Non, c'est impossible. 2. Hypothèse d'école, si ça survenait, tout dépend évidemment des généraux qui feraient ça. Je ne pense pas que aujourd'hui, nous ayons parmi nous un Pinochet qui rétablirait, la nation dans ses ornières, sur sa trajectoire. Donc, je ne crois pas que ce soit un progrès. Le progrès, la révolution qu'il faut faire, c'est une réaction. C'est la réaction républicaine consistant à rétablir la démocratie, notamment par le référendum d'initiative populaire. Coquillage demande « Faut-il dans certains cas empêcher l'automatisation d'un métier pour conserver des emplois ?» Ben non, c'est un vieux débat qui remonte au Canut de Lyon, vers les années 1820, qui cassait les métiers à tisser. Mmh. Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Et pour une raison très simple, non, pas très simple, mais une raison profonde, qui est la découverte par un des plus grands économistes, Jean-Baptiste C., un Français, du principe, on appelle ça la loi du débouché, l'offre crée sa propre demande. Voilà. C'est ce que Keynes n'a pas voulu comprendre. Et si ce n'était pas vrai, d'ailleurs, depuis le temps que la technique fait des progrès, il y aurait 99% de chômeurs. Hein. L'histoire économique qui a démenti les prévisions absurdes de Karl Marx, a au contraire confirmé l'analyse théorique de Jean-Baptiste C., qui a d'ailleurs été démontré sur le plan mathématique, dans le cas, il est vrai, particulier d'une concurrence parfaite, par Léon Valras. Je ne connais tout simplement pas Léon Valras. Non, oui. Et puis c'était toujours étonnant de voir des démonstrations. Léon Valras est un des plus. Mais si, parce que l'économie est un système. Et le premier grand économiste, véritablement, c'est Adam Smith. Avec sa théorie de la main invisible. C'est-à-dire que ça n'est pas la bonté du boucher ou du charcutier qui fait que vous avez mangé, c'est parce que il est payé. Et donc, ce principe d'observation, qui montre que chacun, en cherchant son intérêt particulier, contribue à l'intérêt général, au bien-être de tous, qui est la base du capitalisme et qui démontre les bienfaits du capitalisme,
était une observation vraie, une théorie juste, et qui demandait à être confirmée. Alors la première confirmation, ou le complément, ça a été la théorie donc au début du 19e siècle. Adam Smith, c'est fin 18e. Hein. Donc Jean-Baptiste Say, avec sa loi des débouchés, l'offre crée sa propre demande. Ça a ensuite été analysé, confirmé sur le plan mathématique par Léon Valras, et sur le plan non mathématique par le grand économiste autrichien, le fondateur de l'école autrichienne d'économie politique, Karl Menger. Karl Menger, auquel ont succédé Eugène von Böhm-Bawerk, excusez-moi, je ne suis pas germanophone, j'ai un peu de mal à prononcer les noms allemands. Donc Eugène von de Böhm-Bawerk. Puis des grands économistes que furent Ludwig von Mises et Friedrich August von Hayek, avec qui eux-mêmes d'ailleurs ont ajouté à l'analyse de l'investissement du capital fait par la théorie autrichienne, la théorie géniale de Knud Wicksell, le suédois. Et là, je vous ai à peu près dit qu'ils étaient les plus grands économistes depuis l'origine des temps, dont Adam Smith, Jean-Baptiste... Non, j'en ai oublié un. Frédéric List. Car Frédéric List a montré, alors contrairement aux ultralibéraux, qu'il fallait distinguer la théorie des valeurs échangeables, comme il dit, avec la théorie des forces productives. Cette distinction permet de justifier un certain protectionnisme. Donc les grands économistes, d'après moi, sont Adam Smith, Jean-Baptiste Say, Frédéric List, Léon Valras, Karl Menger, Knud Wicksell, Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek. J'arrive à 8, j'aurais préféré arriver à 7, mais j'arrive à 8. Et la démonstration mathématique dont vous parliez est difficile ou... Oui, elle est difficile. Alors, la version la plus récente est due à un Français qui s'appelle Gérard Debreu, Debreu, D-E-B-R-U. Et là, ce sont des mathématiques élaborées. Voilà. D'accord. Mais on peut évidemment critiquer cette analyse mathématique en disant qu'elle a peu de rapport avec la réalité de l'économie, mais elle montre, dans un modèle théorique, la possibilité d'un équilibre général. Ce qui, en soi, n'a rien d'évident. AUA dit Zemmour... on m'interroge sur Zemmour, je l'attendais. A dénoncé l'antisémitisme au Rassemblement National. A-t-il raison ? Bien sûr qu'il a tort, mais je voudrais, à ce moment-là... si vous m'accordez quelques minutes à Maurice Seclin, Pierre de Tirmont, parler de Zemmour. Plus grand homme politique français actuel. Je pense que c'est une antiphrase, vous avez tous compris. Hein. Alors, le cadavre de Zemmour bouge encore. Je pourrais faire un article qui aurait ce titre. Car Zemmour est mort déjà 4 fois. Il est mort une première fois en avril 2022, lorsqu'il n'a eu que 7% à l'élection présidentielle, alors que quelques mois avant... il se voyait élu président de la République. Il est mort une deuxième fois en juin 2022, au premier tour des élections législatives, puisque tous ses candidats ont été éliminés au premier tour, y compris lui-même. Et qu'en moyenne, ils ont eu 4%. Il est mort une troisième fois, car il a la faculté extraordinaire de mourir plusieurs fois. Oui, je vais demander, est-ce qu'entre chaque mort, il ressuscite ? Maintenant, c'est-à-dire que, bon, disons que son corps se dégrade de plus en plus, quoi. Son cadavre part en morceaux de plus en plus. Il est mort une troisième fois, le soir du second tour, lorsque le RN a obtenu 89 élus. 89 députés, ce qui était invraisemblable. Alors qu'il avait expliqué, lui qui avait divisé la droite nationale en créant un nouveau parti, et qui avait eu l'impudence, vraiment le fourbe Zemmour, vraiment un escroc, un imposteur, de déclarer qu'il fallait faire l'union de la droite alors qu'il avait divisé le premier, avait expliqué que sans l'union de la droite, sans un accord électoral entre lui et Marine Le Pen, ça serait la catastrophe. C'est l'inverse qui s'est produit. Le RN a refusé tout accord, et il a eu parfaitement raison, et il s'en est tiré au mieux.
Un résultat inespéré. Personne n'attendait, moi le premier, j'espérais ou je pensais qu'il y aurait 30 ou 40 élus, mais 89, incroyable. Il est mort une quatrième fois, le camarade Zemmour, pardon, le fourbe Zemmour, excusez-moi. Le fourbe Zemmour est mort une quatrième fois lorsque Jourdain Bourdaloue a été élu président du Rassemblement National. Oui, on l'appelle communément Jordan Bardella. En français, Jourdain Bourdaloue. Et Jourdain Bourdaloue, alias Jordan Bardella, a été élu, alors je ne sais plus si c'était en décembre, non, en novembre. Non, je crois que c'était en novembre. Novembre 2022, président du Rassemblement National. Et c'est très ennuyeux pour Zemmour, parce qu'il a 40 ans de moins que Zemmour. Il est beau garçon, enfin, je demande plutôt aux dames, aux jeunes filles d'en juger, mais à mon avis, il est beau garçon, non, me semble-t-il, alors que Zemmour est atrocement laid. Alors, je vais quand même, d'ailleurs, sur ce point... sortir une grande photographie de... Une photographie de Zemmour. Aussi avec Zemmour, il sort de mon siècle. Alors, j'espère qu'on va bien la voir. C'est le Figaro Magazine a fait dans sa dernière livraison, une couverture sur Zemmour. Il est moitié moins laid comme ça. Ils n'ont pas osé montrer tout le visage. Donc il est moitié moins laid qu'en réalité, puisqu'on ne voit que la moitié de son visage. Mais je dois dire, excusez-moi, ça peut vous paraître hors sujet, mais pas du tout. Écoutez, le physique, ça compte aussi dans les élections, hein. Mais c'est même l'unique raison de sa défaite. D'autant plus que le physique est le reflet de l'âme, contrairement à ce qu'on croit. Bon, en général, les salauds de tête de salauds. Voilà. Et son âme est aussi laide que son visage. Et je crois que je réfléchis, je ne vois pas dans l'histoire politique française un homme politique qui aurait été aussi laid que Zemmour. Est-ce que vous en voyez un ? Politique ? Non, mais des hommes très laids, on peut en rencontrer. Oui, oui. Ce degré de laideur, c'est rare. De plus, c'est une laideur exotique, si vous voulez. Oui. Parce que quelqu'un m'avait dit « Oui, mais Raffarin est très laid. » Il est peut-être très laid, mais ça, c'est une laideur française. Lui, c'est une laideur exotique qui vient du sud de la Méditerranée. Et d'ailleurs, il passe son temps à dire qu'il est, il s'entend bien avec Mélenchon, parce que Mélenchon était né au sud de la Méditerranée, mais Mélenchon n'est pas juif, et Mélenchon est espagnol. Mais Mélenchon, hein, il faut savoir, hein, Mélenchon. Donc je fais une parenthèse sur Mélenchon, mais je vais y revenir. Mélenchon est donc un pied noir d'origine espagnole, et il s'appelait Mélenchon, ce qui est le nom d'un village en Espagne, et l'accent aigu, qui est en espagnol un accent tonique, était sur le O final. Mélenchon. Et pour convertir le nom, pour faire de ce nom espagnol un nom français, ils ont déplacé l'accent aigu sur le E initial. Voilà. C'est tout à fait roublard. Ce qui fait très français. Alors que contrairement à mes objurgations, pendant la campagne, j'ai dit à Moïse Zemmour, parce que son vrai nom c'est Moshe, hein, il l'a dit d'ailleurs. C'est lui qui l'a dit. Il a dit Eric à l'état civil, Moïse, c'est-à-dire Moshe à la synagogue. Bon. Et alors j'avais expliqué qu'il devait s'appeler Olive, traduction de Zemmour. Alors que ce menteur explique que Zemmour veut dire Olivier en ta mesure, alors là, je peux vous dire, j'ai consulté des dizaines de chauffeurs de taxi kabyles, car la moitié des chauffeurs de taxi kabyles à Paris sont kabyles, donc ils parlent le berbère, le tamazir, et Zemmour veut dire Olive. Alors il trouve plus chic de dire que ça veut dire Olivier, parce qu'Olivier c'est à la fois un arbre très sympathique, et puis c'est un prénom français qui est même un prénom français aussi illustre que... puisqu'il figure dans la chanson de Roland. Donc le monument littéraire fondateur de notre identité nationale, qui est la chanson de Roland, évidemment, a comme principal héros Roland, mais en numéro 2, c'est Olivier. Olivier, c'est un prénom d'origine latine. D'origine latine. Oui, oui. Et d'où le vers de la chanson de Roland. Roland est preux et Olivier est sage. Bon. Donc, il devait s'appeler Olive pour franciser son nom. Et son prénom, évidemment, Moïse, devrait se franciser en... j'avais proposé l'équivalent de Moïse. Moïse, c'est Marie, mais Marie... en français, ce serait Marius. Donc ce serait Marius Olive. Ça irait bien. Bon. Donc, pour dire des choses plus sérieuses... vous m'avez fait perdre le fil de... c'est ma faute. C'est votre faute. Oui, donc le Figaro Magazine lui consacre sa couverture... Et donc, Zemmour est mort quatre fois, et je vous annonce, pronostic, il va mourir une cinquième fois, au printemps 2024, donc l'année prochaine, aux élections européennes. Donc je pronostique qu'il fera 3% des voix aux élections européennes, et qu'il n'aura aucun élu.
Remarquez que même s'il avait plus et qu'il avait des élus, ça ne change rien, puisque on voit très bien qu'un parti peut faire un bon aux élections européennes et ça ne mène à rien. Après, on a vu les écologistes ou bien bien Villiers faire de très bons résultats aux européennes et ensuite ne faire rien à la présidentielle. Et en sens inverse, Sarkozy, qui a été nul aux élections européennes, a réussi à se faire élire président de la République. Donc les élections européennes n'ont pas beaucoup de sens. Cela dit, je pronostique quand même qu'il ne fera que 3%, ce qui achèvera de tuer ce qui reste de son parti. Parce que si Guillaume Pelletier et Marion Maréchal Le Pen... sont encore avec lui, c'est parce qu'ils espèrent fermement être élus députés européens. Ce qu'ils ne seront pas. Alors, aujourd'hui, Zemmour nous explique que il a subi quelques échecs, évidemment, mais que ça ne veut rien dire, et il va remonter la pente. Bon. Alors, je rappelle que son nouveau livre s'appelle « Je n'ai pas dit mon dernier mot », et que le précédent, donc il date de septembre 2021, était intitulé « La France n'a pas dit son dernier mot ». Qu'est-ce que vous pensez, cher Maurice Seclin, du parallèle entre ces deux titres ?« La France n'a pas dit son dernier mot » d'abord, et ensuite « Je n'ai pas dit mon dernier mot ». D'une part, il manque d'originalité, d'autre part, peut-être s'identifie-t-il à la France. Pardon ? Peut-être s'identifie-t-il à la France. Non mais attendez, il se prend pour la France, cet abruti. Non mais c'est un ridicule, ce type est ridicule. Alors, les gogoïs qui suivent Zemmour, donc les zémouroïdes, comment on les appelle. Nous pensons à eux ce soir. Hein ? Nous avons une pensée émue pour eux ce soir. Certains sont en train de sortir de leur ébahissement. Ils commencent à comprendre la réalité. Bon. Certains d'entre eux. Mais... les hémorroïdes n'ont pas remarqué que ce type était d'une prétention grotesque. Je l'avais dit à propos de son livre de septembre 2021, mais là, c'est moi-je. Je l'ai remarqué dans les deux premières pages de son livre précédent, je n'ai pas lu le dernier, je n'ai pas envie de le lire, j'en ai lu quelques extraits dans le Figaro Magazine. Il dit « je », moi, il parle de lui tout le temps. C'est le sujet qui l'intéresse, c'est lui. Et quand il parle de la France, en réalité, c'est... C'est lui qui l'intéresse. Bon. Je rappelle que le fourbe Zemmour est un imposteur. Vous ne devez pas partir du principe qu'un homme politique dit la vérité. C'est-à-dire qu'il dit ce qu'il pense être la vérité. Ça n'est pas du tout prouvé. Et nous avons démontré, quand je dis nous, c'est Raphaël Auclair et moi-même, en disséquant ses écrits, au lieu de nous contenter d'écouter les balivernes qu'il disait à l'antenne, qu'il n'aimait pas la France et qu'il la méprisait. Voilà. Lisez, nous avons 5 articles qui ont été publiés sur lesquin.fr, donc le premier c'est de Raphaël Auclair. Vous les trouverez d'ailleurs sur le site lesquin.fr en regardant dans les analyses la partie polémique, où il y a donc les 5 articles qui sont recensés à la suite, n'est-ce pas Pierre de Tirmont, hein ? Le premier de Raphaël Auclair. Raphaël Auclair a analysé le livre Le suicide français en montrant... que c'est un individu bourré de prétentions, mépriser les Français. Et d'ailleurs, je viens de découvrir, c'était en lisant dans Le Monde une recension du livre de Zemmour, mais aussi des 2 livres qui ont été publiés par ses anciens collaborateurs ou amis qui sont partis maintenant, c'est-à-dire Jacqueline Mourot des Gilets jaunes, et puis Jérôme Rivière, ancien RPR, ancien MPF, ancien RN. Qui ont révélé notamment que, devant toute son équipe, il avait dit « La France populaire est un alphabète ». On dirait du Macron. Hein. Bon. Alors on apprend aussi que, on le savait, quand je dis qu'on apprend, il le reconnaît maintenant ouvertement, qu'il est copain comme cochon avec Mélenchon. Je ne sais pas si les hémorroïdes trouvent ça normal qu'un nationaliste théorique, officiel, soit copain avec Mélenchon. Qui est une saloperie, bon, voilà, bon, une saloperie de gauche. Alors, on savait qu'ils étaient amis, puisque la presse avait révélé que Mélenchon était allé à son 50e anniversaire. Enfin, ça fait 18 ans, vous me direz. Mais là, Zemmour reconnaît
Je pense que sa stratégie, qui est peut-être quand même un petit peu imprudente, c'est d'avouer pas mal de choses. Donc il reconnaît qu'il est très copain de Mélenchon, qu'ils échangent régulièrement, que Mélenchon lui a donné des conseils pour faire réussir sa campagne, et que lorsqu'il y avait un débat, ça devait être en octobre 2021, entre eux deux, ils s'étaient entendus à l'avance. Ça, j'avais très bien compris quand j'ai vu le débat. Ils s'étaient entendus à l'avance pour se valoriser mutuellement. Mmh. Ils avaient deux électorats potentiels entièrement disjoints. Donc, il fallait que l'un attaque à l'autre pour se justifier vis-à-vis de son propre électorat potentiel et pour justifier l'autre vis-à-vis de son propre électorat. Donc, il fallait attaquer comme il fallait. Bien, mais pas trop. Par exemple, lorsque Mélenchon a raconté, oui, en 2050, ou avant, je ne sais plus s'il a dit 2050. Il a dit dans 30 ans. Donc, ouais, dans 30 ans, 2050. Bordeaux sera submergé par les flots. Un contradicteur normal aurait dit, vous dites des balayères, vous dites vraiment n'importe quoi. C'est bon, s'il m'a gardé, parce que ça aurait été trop méchant, trop dur. Oui. Donc c'était pas à fleur et moucheté, c'était, en réalité, c'était un échange de bons procédés camouflés. Bon. Voilà, donc, je vous rappelle d'ailleurs, écoutez, est-ce qu'un jour, les hémorroïdes qui ont des sentiments un peu normaux ouvriront les yeux? Bon, je vous rappelle à tous, quand je vois que certains royalistes étaient hémorroïdes, je rappelle que Zemmour a déclaré son admiration pour Robespierre. C'est dans un article du Figaro. Bon. D'où l'amitié avec Mélenchon. Par exemple, que dans son livre La misère, comment s'appelle son livre Mélancolie française. Mélancolie française. Mélancolie française, qui est un scandale, où il montre son mépris de la France avec des prétentions d'historien qu'il n'est pas. Il dit que on a bien fait de guillotiner la pauvre Marie-Antoinette. Hein. Il dit ça. Il dit ça. Je vais déchirer ma carte Reconquête. Quelle honte d'en avoir une. C'est vrai que les antiphrases parfois ne sont pas comprises. Hein. Alors méfiez-vous. Hein. Je prends le risque. Non mais vous faites prendre le risque à nous tous. Vous êtes bien gentils. Personne ici n'a carte Reconquête, évidemment. Mais c'est même ridicule de le dire. Alors au passage, pour vous montrer d'ailleurs, c'est une anecdote, mais je l'ai déjà dit, mais je trouve ça tellement drôle. Donc vous savez tous que Zemmour a appelé son parti Reconquête, par référence à la Reconquista. La Reconquista, mot espagnol qui veut dire reconquête, c'est l'épopée par laquelle les chrétiens ont fini par repousser et chasser les musulmans, qui avaient envahi l'Espagne en 711 après Jésus-Christ, et qui ont été expulsés, finalement, l'achèvement de la Reconquista, c'était en janvier 1492. Bon. Année qui a été marquée ensuite, pour des raisons budgétaires, parce qu'à ce moment-là, on a pu financer l'expédition de Christophe Colomb par la découverte de l'Amérique. Et quelle a été, alors vous le savez, mais vous allez le dire, quelle a été la première décision que los Reyes Catholicos, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, ont pris juste après avoir achevé la Reconquista par la prise de Grenade? Eh bien, l'expulsion des Juifs d'Espagne. Exactement. Donc, aussi appelée la catastrophe. La Reconquista s'est achevée par l'expulsion des Juifs d'Espagne. Donc je trouve amusant qu'un Juif comme Zemmour prenne comme référence la Reconquista qui a abouti à l'expulsion de ses propres ancêtres, d'ailleurs, hein, parce qu'il descend, comme il était un Juif d'Afrique du Nord, il descend des gens qui ont été expulsés d'Espagne en 1492. Hein. Et les Juifs, comme l'Espagne était le haut lieu du monde juif, la plus importante communauté juive du monde, de loin, les Juifs ont appelé ça la Shoah, la catastrophe. Donc la première Shoah, ça a été l'expulsion des Juifs d'Espagne. Donc c'est amusant que dans son ignorance historique, notre ami Zemmour ait appelé ça. Les musulmans n'ont été expulsés que 10 ans plus tard. Hein. Voilà, donc, alors... Zemmour, quand on lit ses ouvrages, on comprend très bien, car il parie sur la crédibilité infinie des gogoïs, ce qui, pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux, malheureusement, est un pari justifié, qu'il peut étaler ailleurs sa morgue, son impudence, sa prétention et son mépris de la France et des Français. Voilà. Donc, je résume. Lisez les 5 articles qui sont sur Zemmour, sur le site lesquin.fr, vous serez édifiés, ce sont des faits. Bon.
les royalistes devraient savoir qu'il est qu'il est un admirateur de Robespierre et qu'il trouve qu'on a bien fait de guillotiner la pauvre Marie-Antoinette. Les catholiques devraient savoir que c'est un athée qui pratique le judaïsme et qui a dit, dans une vidéo assez récente que j'ai vue, qu'il détestait le Christ. Les moralistes devraient savoir que c'est un érotomane qui a été photographié avec sa femme Mylène, je ne sais plus comment, Chisportiche, devant un club échangiste. Voilà. Ce qui n'est quand même pas très glorieux, hein, moins qu'on puisse dire, c'est répugnant. Alors, j'avais prévu que Zemmour ne pouvait pas réussir, et ce n'était pas ça. Un pronostic, disons, d'espérance. Parce que malheureusement, j'avais prévu aussi, et je ne l'espérais pas, que Macron serait réélu. Bon. Non. J'ai très bien compris, non seulement que Zemmour était desservi par son physique, mais qu'il était insuffisant. Sa suffisance n'est égale que son insuffisance. Pourquoi ? Il a fait illusion. Parce qu'il a un certain bagout, mais ce n'était pas un orateur extraordinaire. Il a fait illusion parce qu'il a une mémoire, il n'a pas seulement des oreilles d'éléphant, il a aussi une mémoire d'éléphant. Bon. Quand on a une mémoire d'éléphant, ça veut dire qu'on lit un texte de 10 pages, on pose, on le lit une fois, on le pose, et ensuite on peut le réciter du début jusqu'à la fin. Donc c'est un cas sur mille. Hein. Donc ça, c'est très utile en politique. Et donc lorsque il est interrogé sur un sujet qu'il connaît, parce qu'il a lu l'affiche juste avant, il le récite très bien. Mais lorsqu'il est dans un débat avec un véritable contradicteur et qui n'a pas prévu les questions, qui ne peut pas sortir une fiche, il est mauvais. Alors, pour ce qui est du débat avec Mélenchon, évidemment, c'était convenu, donc c'était très bien. Dans ces émissions de CNews, où avant de... Comment s'appelait l'émission avec Ruquier On n'est pas couché. On n'est pas couché, oui. Je crois. Là, il était avec des gens qui servaient la soupe, donc il n'y a pas de risque. À CNews, on lui opposait des gens qui, en général, étaient de la même origine ethnique que lui, enfin d'une origine voisine, ashkénaze ou séfarade. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé à nouveau sur France 2. Pour en revenir à la question de l'auditeur, j'en parlerai après peut-être. Allez-y rapidement. Eh bien parce que justement, le plateau sur lequel Éric Zemmour a accusé le Rassemblement national d'être antisémite, oui voilà, récemment, c'était un plateau... Qui y avait-il ? Alors, il y avait Patrick Bruel, il y avait Léa Salamé... Non, elle n'est pas juive. Elle n'est pas juive, mais elle est levantine. Il y avait Christophe de Chavannes... Qui n'est pas juif non plus. Vous êtes sûr ? Ah oui, enfin, je suis sûr, non, mais je ne crois pas, non. Je ne sais plus, il y avait d'autres. Mais... Okay, non, écoutez, il n'y avait qu'un seul juif, c'était pas du tout... Avec Zemmour. Avec Zemmour, ça fait deux. Hein, deux. Bon. Non, bien sûr, il est absurde de dire que le Rassemblement national est antisémite, et c'est un argument minable. Hein, minable. Le fourbe Zemmour est un imposteur, c'est un immigré juif algérien qui n'a pas une goutte de sang français. Et les gens qui se disaient de droite et nationalistes, qui étaient vraiment, ou qui se croyaient vraiment de droite et nationalistes, voulaient porter à la tête de l'État français quelqu'un qui n'avait pas une goutte de sang français, qui n'avait même pas la religion de la France, qui est le christianisme, qui n'avait rien qui pût lui permettre de... Et cet homme est un Français de papier. Alors lisez notamment dans les 5 articles que je vous ai indiqués, l'article suivant, qui est le dernier paru, « Procès en communautarisme, Zemmour est un Français de papier », où j'ai démontré qu'il était complètement communautariste. Par exemple, je m'étais amusé à compter le nombre de juifs qu'il citait dans son livre, celui de septembre 2021. Je suis arrivé, je ne sais plus combien, 60 ou 80, enfin, c'était affolant. Quoi. Bon. Voilà. Et il n'est entouré que de juifs. Enfin, je veux dire, son garde rapproché, ce sont tous des juifs. Les 4 mousquetaires dont parlait le Figaro, c'était des juifs, sauf Olivier Hubeda. Alors, il faut savoir que Olivier, s'il a eu un si mauvais résultat, alors qu'il avait un soutien médiatique hallucinant,
quand il, aujourd'hui il se plaint des médias, il faut quand même le faire. C'est quand même, c'est un niveau de mauvaise foi incroyable. Et qu'il a pu avoir, grâce à Olivier Hubeda, des réunions publiques qui étaient un succès immense, il faut reconnaître. Hein. Ces réunions publiques étaient admirablement organisées, et à la différence de Pécresse, Zemmour est un admirable lecteur de prompteurs. Il connaît déjà le discours par cœur, et donc il a, sur son pupitre, je sais, un de nos amis est allé vérifier sur place qu'il avait bien un écran avec le texte de son discours qui défilait, et là, il sait très bien lire un prompteur, et donc il fait un très bon... Le texte du discours est bon, et donc c'est... l'ensemble est très bon. Bon. Mais c'est pas un vrai orateur qui se... comme Le Pen, ou comme Mélenchon, qui se balade sur un... sur le plateau, avec un micro baladeur à la main et qui produit son discours au fur et à mesure. Donc non, ça n'est pas du tout ça. Et donc il était insuffisant sur le plan intellectuel, sur le plan du débat. Bon, comparé à Jourdain Bourdaloue, rien à voir. Quoi. Jourdain Bourdaloue est excellent dans le débat. C'est beau, n'est pas bon. Et j'avais cité plusieurs cas, il n'a jamais été bon lorsqu'il avait un vrai débat avec des gens vraiment hostiles et des objections, des questions qui lui étaient posées ou des objections qui lui étaient faites qu'il n'avait pas prévues, il n'est pas bon. Donc Zemmour n'est pas un analphabète, c'est un bac plus 3. Bon, je ne sais pas s'il a le diplôme de Sciences Po, mais bon, il est bac plus 3. Mais pour autant, il est beaucoup moins intelligent que beaucoup de bac plus 3 que je connais. Hein. Je tiens à préciser que Christophe de Chavannes a une mère juive qui s'appelait Muriel Kahn. Ah bah j'ignorais. Oui, on en découvre tous au les moins jours. Sa mère, oui. Ah bon. Je remarque que nous sommes, enfin vous êtes 24 983 abonnés à notre chaîne YouTube. Donc si 17 personnes s'abonnent, nous serons 25 000 et elles ne le regretteront pas parce que ça permet d'être averti lorsqu'il y a de nouvelles vidéos et des émissions. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Comment fait-on pour s'abonner ? Oh, c'est écrit en gros et en rouge, alors je pense que tout le monde trouvera le bouton s'abonner, mais il faut avoir un compte sur YouTube. Il faut un compte... Il faut un compte Google. Compte Google, ouais. Compte Google, ouais. Bon, on peut créer un compte Gmail. Voilà. Ouais. Il faut avoir un compte gmail.com, ce qui se fait en 3 secondes. On n'a même pas besoin d'utiliser ce compte, d'ailleurs, il suffit qu'il existe. Voilà, si vous appelez Tartampion, bah vous créez un compte tartampion.com, et si, @gmail.com, et s'il y a déjà 1300 Tartampions, bah vous appelez Tartampion de 1301, @gmail.com. Exactement. C'est très simple. Bon, et donc, abonnez-vous absolument tous, non seulement à cette chaîne, mais aux deux autres chaînes YouTube que nous avons, c'est Henri de Lesquin et Carrefour de l'Horloge. Hein. Edouard donne 10 euros. Merci Edouard. Il demande, est-ce que la Russie a eu raison d'attaquer l'Ukraine ? N'aurait-elle pas dû attendre que les États-Unis, via l'Ukraine, attaquent son territoire comme elle le prétend, pour riposter légitimement ? Je pense que la Russie a trop tardé. Non seulement je pense qu'elle aurait dû attaquer, qu'elle devait attaquer, qu'elle avait raison d'attaquer, mais qu'elle aurait dû le faire plus tôt. Bon. Comme l'a dit quelqu'un, un historien du 19e siècle, le vrai responsable de la guerre n'est pas celui qui l'a commencé, mais celui qui l'a rendu nécessaire. La guerre était nécessaire pour la Russie, pour la sécurité de la Russie, pour le maintien de son être dans l'histoire, pour plusieurs raisons. La première raison étant que, la première raison évidente, qui donne un prétexte ou une raison, un alibi ou une justification juridique en droit international à cette intervention, du 24 février 2022, c'est que l'Ukraine avait signé avec la Russie, sous les auspices de la France et de l'Allemagne, deux accords dits de Minsk, Minsk étant la capitale de la Biélorussie où les accords avaient été négociés. Ces accords dits de Minsk disaient que l'Ukraine reconnaissait l'autonomie des républiques séparatistes du Donbass, séparatistes et russophones, et donc la paix devait être établie. Or l'Ukraine n'a jamais respecté ces accords. Et aujourd'hui, de manière cynique, Angela Merkel et François Hollande, qui étaient responsables de la France et de l'Allemagne à l'époque, déclarent qu'on avait signé ces accords pour donner du temps à l'Ukraine et lui permettre de s'armer. Bon. Donc la Russie aurait dû attaquer beaucoup plus tôt.
les accordémistes n'étaient pas respectés. Bon. D'autre part, la Russie, pour des raisons de sécurité qui sont tout à fait légitimes, et pour des raisons civilisationnelles, ne pouvait pas admettre que l'Ukraine entrât dans l'OTAN, que des fusées américaines puissent être mises à la frontière de la Russie en Ukraine. Bon. Lisez le discours historique de Viktor Orban, Premier ministre de la Hongrie, qui est sur notre site, lesquin.fr, sur la page d'accueil. Hein, donc ce discours a été fait le 23 juillet, et il porte notamment sur la guerre en Ukraine, et Viktor Orban dit très objectivement que la Russie a par écrit demandé expressément à l'OTAN d'une part, c'est-à-dire aux Américains, essentiellement, et à l'Ukraine, de s'engager à ne pas faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Fin de non-recevoir. L'OTAN a fait savoir qu'il y a une politique de la porte ouverte, et que par conséquent, on pouvait très bien admettre que, un jour ou l'autre, l'Ukraine entra dans l'OTAN. Donc c'était une raison supplémentaire. Et alors, je veux dire à cet égard, pourquoi la Russie a-t-elle tellement attendu? Elle n'aurait pas dû attendre que l'Ukraine se réarma ou s'arma. C'est à cause de Lavrov. Je pense que le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, est calamiteux pour la Russie. Bon. Il faut savoir, par exemple, qu'il a signé, donc quand je dis qu'il a signé, il a demandé, Poutine lui a donné carte blanche pour la politique internationale, il a eu bien tort, pour la politique étrangère. Donc il a signé le traité créant la Cour pénale internationale. Alors, heureusement pour la Russie, la Russie n'a pas ratifié. Mais l'idée de signer ça, c'était complètement aberrant. Lavrov a une politique de crédulité, inspirée par la crédulité, la naïveté à l'égard des Occidentaux, enfin des Occidentaux, des Otaniens. Et donc il a retardé la réaction nécessaire de la Russie. Alors peut-être qu'il y avait aussi des raisons militaires, parce qu'il fallait que la Russie se réarma, mis sa propre armée en ordre. C'est possible. Donc la guerre menée par la Russie est une guerre juste. Bon. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas une guerre cruelle, toutes les guerres sont cruelles, celle-là l'est particulièrement. Mais si le gouvernement ukrainien avait été responsable, il aurait accepté les conditions de la Russie, et il n'y aurait pas eu cette guerre. Et on aurait évité toutes ces morts, ces blessés, ces destructions, ces souffrances. Lorsque la Russie a massé ses troupes à la frontière, c'était un avertissement très sévère. Et si l'Ukraine avait accepté les trois exigences parfaitement légitimes de la Russie, il n'y aurait pas eu de guerre. Les trois exigences en question, c'était premièrement donc le respect des accords de Minsk, deuxièmement l'engagement pour l'Ukraine à ne pas entrer dans l'OTAN, et troisièmement la reconnaissance de l'annexion de la Crimée, ce qui était quand même la moindre des choses. La Crimée avait été détachée de la Russie pour être annexée à l'Ukraine, par Khrouchtchev qui était ukrainien, alors que la Crimée n'avait strictement rien d'ukrainien. Donc c'était trois conditions parfaitement légitimes, et si elles avaient été acceptées, il n'y aurait pas eu de guerre, et ça aurait été beaucoup mieux. Antoine donne 5 euros. Merci. Il pose une question que je ne comprends pas, mais peut-être la comprendrez-vous. Ça m'étonnerait. Hein. Vous dites que l'expérience est au service de la science, or la théorie de la relativité est un exemple où la science est au service de la technique. C'est pas une question d'ailleurs. La technique est au service de la science. C'est-à-dire que c'est un vaste sujet. Je pense que la doxa qui prévaut notamment dans les milieux scientifiques, mais pas seulement, qui imagine une filière verticale. On commence par faire des découvertes scientifiques, en sciences fondamentales, et ensuite ça devient de la technique, et est une théorie fausse. Bon. J'ai découvert cette vérité en lisant un livre sur la génétique d'un savant bien nommé, parce qu'il s'appelle L'Héritier. Alors, on peut difficilement faire mieux. Mais c'est aussi le nom d'une licenciée
Ouais, ça, peut-être sa fille, je ne sais pas. Mais, ouais. En tout cas, lui, il s'appelle l'héritier. Oui, héritier. Non, je crois que c'est l'héritier. Oui, héritier. Bon, et j'ai appris à ce moment-là que la sélection des semences, qui a permis l'extraordinaire progression des rendements agricoles à partir de 1870-1880, d'abord en France et ensuite dans le monde, a été comprise sans qu'on ait avant qu'on ait découvert les lois de Mendel et la génétique. La loi de Mendel, c'est 10 ans après, et la génétique a été vraiment formalisée vers 1900 et quelques. Quoi. Donc on a découvert les principes de la sélection avant d'avoir découvert la génétique. Donc la science est arrivée après. Bon. Bien sûr, alors, les progrès scientifiques sont souvent conditionnés par des progrès techniques. Hein. L'observation, par exemple. On a pu découvrir les réalités astronomiques lorsqu'on a mis au point des télescopes. Ou bien on a découvert ce qu'étaient les maladies lorsqu'on a eu des microscopes qui permettaient de voir les microbes, et ainsi de suite. Bon. Mais puis, donc, d'une grande partie des découvertes techniques sont complètement indépendantes des découvertes scientifiques. Complètement indépendantes. Donc la théorie de la relativité a-t-elle beaucoup d'applications dans la réalité? J'en suis pas sûr. Hein. Dans quel domaine? Pareil pour calibrer les GPS, non, c'est ce qu'on m'expliquait à l'école. Mais peut-être pour calibrer les GPS. Mais je ne suis pas sûr qu'elle soit si importante que ça dans la réalité technique. Hein. Peut-être pour envoyer des satellites, des fusées jusqu'à Mars, effectivement, là, elle doit jouer un rôle. Hein. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'elle joue un rôle considérable. Alors pour en revenir à la question de la réforme des retraites, Robin Douté demande ce que vous pensez du système des retraites, comment il pourrait être amélioré, et devrions-nous regarder en direction de nos voisins européens? Alors je disais pour la bonne blague, mais c'est plus qu'une bonne blague, que moi je suis contre la retraite à 64 ans, parce que je suis pour la retraite à 67 ans. Mais c'est une formule qui est vrai d'une certaine manière, c'est-à-dire que comme la vie s'allonge ou s'est allongée, il faut que les gens travaillent plus longtemps, si on veut que le régime des retraites par répartition soit équilibré. Mais pour autant, et c'est d'ailleurs 67 ans en Italie. Hein. Pour autant, les gens font moins d'enfants, donc c'est bien dommage, c'est même dramatique. Tout l'équilibre du régime des retraites qui résulte du déséquilibre, qui doit tenir compte du déséquilibre de la pyramide des âges, nécessite un allongement de la durée du travail. Je ne sais plus rien, de la durée de travail. Du nombre d'années de travail. C'est inévitable. Donc il est complètement démagogique, et je dis ça notamment pour le RN, de vouloir refuser l'allongement dans le système actuel de la durée du travail. Mais vous savez bien que la France est un pays extrêmement prospère et que nous pourrions tous travailler beaucoup moins si seulement les richesses étaient mieux redistribuées. Bien, soyons sérieux. Alors, en revanche, depuis longtemps, nous préconisons, nous au PNL, au CDH, un système de retraite par répartition, mais complètement différent, qui est celui de la Suède. La Suède est le seul pays qui l'a adopté, et en France, il est proposé par le professeur Jacques Bichot. C'est un système qui repose sur trois principes. Premièrement, retraite par points. Deuxièmement, liberté de départ à la retraite. Troisièmement, neutralité actuarielle. Alors, la retraite par points, ça existe pour les régimes de retraite complémentaire, au moins pour certains d'entre eux. Plus longtemps on travaille, plus on accumule de points, en fonction de ses cotisations. Voilà. C'est assez simple à comprendre. Hein. Et ce principe suffit à corriger la question des carrières longues. Hein, parce que si la carrière est plus longue, ça veut dire qu'on a plus de points de retraite. Deuxièmement, liberté de départ de l'âge de la retraite, puisque si on part plus tôt, on a moins de points, donc on a une pension plus élevée. Et troisièmement, neutralité actuarielle, c'est-à-dire qu'on calcule automatiquement, le système calcule automatiquement, la pension comme une rente viagère, dont le capital est représenté par les points qu'on a acquis pendant sa carrière, et ça ne dépend que de l'espérance de vie quand on prend sa retraite. Et ce système fait que, une fois que les cotisations salariales sont fixées, l'équilibre est automatiquement assuré, puisque chacun reçoit sa part du gâteau en fonction
du nombre de points et de l'âge qu'il a lorsqu'il prend sa retraite. Donc c'est un système parfait. J'ajoute qu'on peut l'améliorer encore en rajoutant des points à ceux qui ont eu plus d'enfants. Dans un régime par répartition, il est logique de tenir compte du nombre d'enfants. Voilà, c'est le bon système. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'on ne l'ait pas proposé. Personne ne l'a proposé en dehors de professeur Jacques Bichot, mais qui n'avait pas eu, pas plus que nous, beaucoup d'écho dans ce domaine. Hein. Je n'ai pas vu de tribune libre dans la presse proposant ce système, alors que c'est celui qui tombe sous le sens. C'est le système intelligent par excellence. Le système adopté par les Suédois est exactement identique, ou c'est une version... Au lieu de parler de points, on parle de compte notionnel, mais c'est une différence de vocabulaire, oui. Oui, c'est cela, oui. C'est cela. Et alors, l'âge de... Alors, quand on vous dit, en Suède, l'âge de départ à la retraite, c'est 62 ans, et ce 62 ans, bien sûr, on peut partir à partir de 62 ans, et l'âge moyen était autour de 65, en pratique, puisque les gens choisissent. Justement, je me souviens d'un reportage de propagande contre ce système sur je ne sais plus quelle chaîne de télévision française, où un ancien ministre, premier ministre peut-être même suédois, disait qu'il regrettait d'avoir fait passer cette formule parce que finalement les gens avaient envie d'arrêter de travailler, alors ils partaient tôt et ensuite ils vivaient dans la misère, et alors tous les vieux suédois étaient misérables si on l'écoutait. S'il avait raison, il n'avait qu'à fixer un âge minimum plus tardif. Au lieu de 62 ans, il pouvait fixer 64 ans. C'est pas impossible. Et d'autre part, les gens sont responsables. Le système de retraite, la caisse de retraite leur envoie une lettre chaque année pour leur dire voilà, vous avez accumulé tant de points. À l'heure actuelle, si vous partez à la retraite l'année prochaine, voilà ce que vous gagnerez. Et d'autre part, il est aussi possible, car le gouvernement garde un curseur, c'est d'augmenter les cotisations. J'entends régulièrement les députés et militants de la France Insoumise se targuer que leur parti ait présenté un programme économique chiffré. Ils disent même que c'est le seul parti à l'avoir fait, qui aurait été approuvé par de nombreux, si on les écoute, économistes. Est-ce que quelqu'un a pris la peine de faire la critique de ce prétendu programme chiffré rigoureux ? Ce prétendu programme chiffré doit partir d'une hypothèse de croissance économique totalement fantaisiste, n'est même pas la peine de le considérer. Voilà. La politique de la NUPES, étant socialiste, ne pourrait qu'appauvrir la France. On a dit souvent, c'est une plaisanterie, mais c'est assez réaliste, que si on installait le socialisme au Sahara, on souffrirait de pénurie de sable. Mais il est vrai que la stratégie de la gauche, je ne sais pas depuis quand, semble justement de vouloir ne pas avoir l'air utopiste et avoir l'air extrêmement sérieuse. Alors ils mettent sans arrêt en avant... Depuis peu, écoutez, le programme commun de gouvernement de 1972 avait été chiffré, me semble-t-il. Il y avait d'ailleurs une déchirure entre les communistes et les socialistes, justement, à propos de... Alors, vous n'étiez pas né, c'était 50 ans avant votre naissance. 50 ans en 72. Non, la déchirure, c'était après. C'est vers 78 qu'il y avait un conflit entre les socialistes et les communistes, qui, à l'époque, représentait quelque chose. Encore, de puissant... sur le chiffrage du programme commun du gouvernement des socialistes et des communistes. Athéna SNK donne 6 euros. Merci. Et dit bonsoir, que pensez-vous des adultes qui jouent encore aux jeux vidéo, sont-ils dégénérés ? Pas du tout, vous pouvez avoir dégénéré partout. Écoutez, les jeux vidéo, le jeu est le propre de l'homme. L'homme est un animal curieux et le jeu... le jeu fait partie de la civilisation, enfin même pas de la civilisation, parce que de la nature humaine, et même pas de la nature humaine, de la nature animale. Les animaux jouent, parfois ils ont des jeux cruels. Si vous voyez un chat qui joue avec une souris, il vaut mieux être à la place du chat que de la place de la souris. Hein. Sauf dans les dessins animés. Non, mais ça se passe vraiment. Hein. Moi j'ai déjà vu ça. Hein. Le chat joue vraiment avec la souris. Et la pauvre souris, ben, c'est atroce. Quoi. Avant de la tuer, le chat est sadique. Ce qui fait que les végans, ou plutôt les antispécistes, vous expliquent que si vous avez un chat, vous ne devez pas lui permettre de sortir dans la rue parce qu'il risquerait de se faire souffrir une souris. C'est vrai. Théorie morale très difficile. La nature est cruelle, que je vous dise. La griffe et les dents. Hein, voilà. Avez-vous déjà joué à des jeux vidéo ? Je crois que je n'ai jamais joué. Je crois que j'ai déjà vaguement regardé. Je crois que je ne joue que. Le seul jeu que. Non, je n'ai joué dans ma vie
Non, j'ai joué à beaucoup de jeux. J'ai joué aux échecs, bien sûr, aux dames. J'ai vaguement essayé le go. J'ai vaguement essayé le dame malgache, puisque mon fils était à Madagascar. Puis je joue au pont. Je joue très souvent au pont. Tu sais, le pont, c'est un jeu qui se joue à 4. Hein. Avec des cartes. Avec 52 cartes. Ouais. Et on fait. Je joue souvent au pont. Voilà, j'ai un groupe de pont, d'ailleurs, à Versailles, qui se réunit quasiment une fois par mois. Et des gens, j'avais d'ailleurs une partie de pont samedi dernier. Voilà. Avez-vous gagné ? J'ai gagné parfois, ouais. Globalement, je ne sais pas très bien si j'ai gagné, mais j'ai gagné plusieurs fois. Ouais. Ouais, ouais. Malgré des erreurs d'annonce de moi et de ma partenaire. Terrible de dire après coup qu'on s'est trompé. Bon, alors les jeux vidéo, en revanche, franchement, non, je crois que je n'ai jamais vraiment participé à un jeu vidéo. J'ai vaguement regardé sur l'épaule de quelqu'un qui le faisait, mais c'est tout. Non. Alors la réponse est plutôt non. Dual iPad donne 5 euros. Merci. Que pense monsieur Delesquin des participations journalistiques de Guillaume Fay à l'immonde magazine Gay France ? Écoutez, Guillaume Fay était un dégénéré sympathique. Bon. Il faut bien comprendre que je m'en suis rendu compte plutôt récemment, parce que je ne m'intéressais guère à leurs écrits, mais il n'y a pas un intellectuel ou un penseur de la patronne Nouvelle Droite qui ait la moindre valeur intellectuelle sérieuse. Bon. Alors non pas qu'on trouve... On trouve des choses très intéressantes dans les écrits d'Alain de Benoît, mais comme l'appelait méchamment Guillaume Fay, c'est le philosophe du copier-coller. C'est-à-dire, il n'y a pas une idée originale. Il y a encore quelqu'un qui a une mémoire d'éléphant, mais qui n'a jamais rien trouvé. Son premier livre, vu de droite, c'était une compilation de livres de penseurs intéressants. Bon. Mais pour le reste, lorsqu'il se risque à avoir une pensée originale, c'est catastrophique. Quand il veut développer des idées qui lui paraissent percutantes, c'est qu'à la limite, par exemple, les auteurs de la prétendue Nouvelle Droite sont pour la décroissance, comme de vulgaires écolos. Et puis, comme Alain de Benoît, et pire encore, Guillaume Fay était complètement dégénéré. Il faut savoir qu'il était drogué, alcoolique, il est mort d'ailleurs de son alcoolisme, qu'il était... il avait été acteur dans des vidéos pornographiques. La totale, quoi. Alors, la réputation qu'il a auprès de certains, franchement, depuis que j'ai lu ses ouvrages... L'archéofuturisme, l'expression est amusante, elle est bonne, le livre est complètement ridicule. Quoi. Le premier chapitre critique de la PND, la Nouvelle Droite, est intéressant, mais le reste est un tissu d'absurdité. Et Dominique Vénère, je suis obligé de dire que Dominique Vénère, j'ai défendu son geste de sacrifice, que j'ai compris, mais pour le reste, sur le plan intérieur. Alors c'est un très bon écrivain, il écrit bien. Il y a une bonne chose dans certains livres particuliers, comme L'imprévu dans l'histoire, mais lorsqu'il se veut un penseur, il est nul, quoi, pour dire la vérité. Il est nul. Bah, précisément à ce sujet, Maxence de Touraine demande quel est le plus néfaste de ces deux Alain, de Benoît et Soral. Oh, je pense que Alain de Benoît est beaucoup plus néfaste. Alain Soral est quand même marginalisé, bon. Marginalisé. Et il a exercé une forte influence sur des... Si vous voulez, il faut bien comprendre que Ali Soral... Alors je résume d'abord ce qu'il faut penser d'Ali Soral. Hein. J'ai une formule toute prête que je vous sers le plus souvent possible pour que vous compreniez bien de qui il s'agit. Alain Bonnet, qu'il faut appeler Ali Soral, c'est un demi-marxiste érotomane, gourou d'une secte islamophile... immigrationniste, antiraciste, agent d'influence au service de l'islam, et donc un ennemi de la France, un traître à la nation. Bon. Fin de définition. Alors, toute sa stratégie est symétrique de celle de Zemmour. Zemmour nous dit qu'il faut embrasser le judaïsme par haine de l'islam. Ali Soral nous explique qu'il faut embrasser l'islam par haine du judaïsme. Il ne faut ni l'un ni l'autre. Il faut plutôt dire ni kippa, ni kéfié. Hein.
C'est une formule bien connue. D'autant plus que quand on se penche sur le sujet, le judaïsme et l'islam sont des religions étonnamment semblables. Lisez l'article sur le judéo-christianisme, le mythe du judéo-christianisme. Le judaïsme d'aujourd'hui est celui des pharisiens dont parle l'Évangile. C'est une religion de la loi, comme l'islam, avec beaucoup de particularités communes. Par exemple, il est simple de se rappeler que ce sont deux religions qui pratiquent la circoncision, qui est une mutilation sexuelle et un rite primitif et barbare, circoncision masculine comme la circoncision féminine, l'excision du prépuce comme l'excision du clitoris. Ce sont, on interdit de manger le porc, etc. Bon, donc il y a des dizaines de règles dans la charia, la loi islamique, comme dans la halakha, la loi juive, qui sont absurdes, qui n'ont aucun sens, sinon celui d'isoler des autres les pratiquants de la dite religion. Bon. Alors, Ali Soral, lorsqu'il a appelé son mouvement « Égalité et réconciliation », c'était quand même clair. Égalité, ça voulait dire égalité entre les immigrés et les Français de sang, les vrais Français, ce qui est négation de la préférence nationale. Et réconciliation entre les Français et les immigrés. Pourquoi faudrait-il se réconcilier avec les immigrés ? Alors, il me semble que ce sens de réconciliation est venu ensuite, et qu'initialement, quand il a présenté son projet d'association Égalité et Réconciliation, il parlait de réconciliation entre les Français de gauche, soucieux de défendre les intérêts du petit peuple, et les Français de droite, soucieux de défendre les valeurs traditionnelles. Non, mais la vraie portée, c'est quand il appelait les Français de gauche, ça veut dire les immigrés. Les immigrés, voilà. Bon, il est partisan de l'immigration. Donc toute l'opération... cet agent d'influence de l'islam, c'est de faire accepter l'immigration musulmane aux nationalistes, à la droite, à l'extrême droite, par haine des juifs. Bon. Alors évidemment, nous qui n'avons pas de haine, la haine est un sentiment qui nous est étranger, nous n'avons de haine ni contre les juifs, ni contre les musulmans, ni contre personne, et nous voulons simplement, par amour de la France, que la France conserve son identité. Et donc nous ne pouvons pas accepter l'immigration, qu'elle soit juive ou musulmane. Voilà. Les juifs sont des immigrés comme les autres. Le crabe fantôme demande si vous avez lu le livre de Sébastien Le Foll concernant la solide amitié que François Mitterrand portait à des gens de droite et anciens cagoulards comme Pierre de Bénouville ou André Bettencourt. Je n'ai pas lu le livre, mais c'est bien connu. Si vous voulez. Mitterrand a été une catastrophe pour la France, mais c'est un homme... il faut reconnaître que dans sa perversité, il avait de la classe pour représenter la France, qui a été perdue après lui avec Chirac. Hein. Les quatre premiers présidents de la Ve République, qui étaient, au moins pour les trois derniers, des quatre des calamiteux, donc c'était De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing et Mitterrand, au moins une certaine classe, qui s'est perdue après. Chirac faisait illusion, mais il était profondément médiocre sur le fond. Et après lui, ça a été vraiment la catastrophe. C'est-à-dire que la médiocrité de Sarkozy, de Hollande, est confondante. De Hollande et de Macron est confondante. Et donc, Mitterrand était extrêmement ambigu. Il avait commencé à l'extrême droite chez l'Action française quand il était petit, quand il était jeune. Ensuite, il avait été décoré de la Francisque, donc il a joué sur tous les tableaux. Et il avait des amis partout. Bon, voilà. Lorsqu'on a découvert que Bousquet était un ami de Mitterrand, Bousquet était un franc-maçon, il faut dire, qui avait été le préfet de police sous le régime de Vichy, et qui était donc accusé de la déportation des Juifs dans la rafle du Veldiv, c'était je crois en 1943, il me semble. Robert Vinter disait avec effarement, Robert Bousquet était sorti par la porte de droite, alors que moi j'arrivais par la porte de gauche dans le bureau de Mitterrand. Et je soupçonne fort d'ailleurs que Mitterrand a fait assassiner Bousquet, qu'il gênait, parce que le procès de Bousquet se profile à l'horizon, et dans ce cas-là, évidemment, on aurait étalé tous les liens qu'il y avait avec lui. Bousquet aurait dit, mais moi, écoutez, qu'est-ce que vous reprochez? J'étais reçu par le président de la République 50 fois à l'Élysée ou ailleurs. Donc Mitterrand avait effectivement bien des amitiés à droite, ce qui ne l'empêchait pas de faire une politique calamiteuse de gauche.
avec la retraite à 60 ans. N'était-il pas justement, je ne sais pas s'il était ami, mais il allait à la chasse avec Dominique Vénère, non? J'ai jamais entendu dire ça, non? Peut-être que je confonds. Dominique Vénère était un grand chasseur, mais non, je crois que avec Bénouville, peut-être. Vous confondez avec Bénouville. Je ne sais plus. Décryptage demande, pensez-vous que Vladimir Poutine soit national-libéral? Oui, je pense, je suggère à notre camarade Pierre de Tirmont de l'ajouter sur le... C'est fait. Il me paraît typiquement... il est typiquement national-libéral. Alors, il n'est pas assez national et pas assez libéral, mais comme nous ne sommes pas puristes, franchement, il est clairement national. Il suffit de voir, d'écouter son discours où il combat le cosmopolitisme des pays de l'OTAN. Bon. En disant, mais vous mettez par un, par deux. En France, quand on remplit maintenant un formulaire administratif, on ne dit plus père ou mère, mais par un, par deux. C'est ce que Giorgia Meloni vient de changer en Italie. C'est monstrueux. Écoutez, on ne se rend même pas compte. C'est tellement énorme qu'on ne se rend pas compte de l'énormité de la chose. Enfin, remplacer la notion de père et de mère par parent un, parent deux, ça va tellement contre le bon sens, contre la nature des choses, contre l'honnêteté morale, que c'est monstrueux. Que c'est monstrueux. Or, c'est ce qui existe actuellement en France. C'est tout à fait cohérent avec le mariage des homosexuels. Oui, ah mais bien sûr, c'est fait pour ça, mais je dirais que c'est presque pire. Hein. C'est presque pire. Oui, mais ça... Enfin, non, c'est pire. Ce serait incohérent d'avoir l'un sans avoir l'autre. C'est à partir du moment en tout cas, c'est la même logique. Donc tout ça est monstrueux. Donc, comme Viktor Orban, Vladimir Poutine combat la décadence, dégénérescence des cosmopolites de l'OTAN. Des pays de l'OTAN, et donc, oui. Et puis d'ailleurs, il montre bien qu'il est nationaliste en attaquant l'Ukraine comme il devait le faire. Voilà. Donc il est national-libéral. Alors, il n'est peut-être pas assez libéral, peut-être que... Mais il y a quand même, il ne faut pas exagérer, il y a quand même une certaine liberté d'expression en Russie. Hein. C'est pas à quel point les libertés publiques sont respectées en Russie. Elles sont en gros respectées. Alors, évidemment, le pays est en guerre, bien qu'on n'appelle pas le mot de guerre. C'est normal. Alors, quand on est en guerre... On ne permet pas la propagande antimilitariste de se développer. Ça me paraît la moindre des choses. L'Ukraine ne le permet pas davantage. Hein. Ben, encore moins. encore moins. Donc il est national-libéral, oui. Oui, je pense. Ouais. Et je pense qu'il faudrait ajouter aussi Netanyahou. Hein, car actuellement, il combat l'état de droit, le prétendu état de droit, qui est en fait un état contre le droit et contre la loi. Alors, on ne peut pas dire qu'il respecte beaucoup la liberté des Palestiniens, mais il respecte au moins la liberté des Juifs, donc des gens de son pays. Dua Lipa nous donne encore 5 euros. Merci. Il dit « La pire catastrophe de Mitterrand n'a-t-elle pas été de nommer Pierre Bourdieu et Jacques Derrida à la commission de refonte des programmes scolaires ?» Bourdieu ? Pas Bourdieu. Pierre Bourdieu ? Ah non, j'ai dit Bourdieu, j'ai mal prononcé peut-être. Ah bon. Bourdieu. Bah écoutez, il a fait tellement de saloperies que celle-là n'est pas la moindre. Mais bon, il faut voir que la dégradation des programmes scolaires avait commencé bien avant lui. Hein. Ils ont expliqué ça dans l'école en accusation, au CDH. C'est le plan Langevin-Vallon qui s'est mis en œuvre avec la pseudo-science pédagogique. Quand c'est encore la pseudo-science qui a frappé, la pédagogie n'est pas une science. Les pédagogistes ont démoli de longue date l'éducation nationale. Ça a commencé en quelle année ? Ça a commencé sous De Gaulle, hein, sous Pompidou, dans les années 60. Hein. Ouais. Ouais. Notre gardien de la cité, Logos Demos, vous demande votre opinion sur les discours de François Bégodeau. Écoute, mon opinion est inexistante, je ne sais pas qui est François Bégodeau, je n'ai pas lu ses discours. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer ? C'est un polémiste d'extrême gauche, bah justement très bourdieusien. Oui, un écrivain, un polémiste. Assez télégénique, qui aime beaucoup parler, qui parle avec aisance. Alors, écoutez, sur Pierre Bourdieu, regardez les deux qui textes. Qui a réalisé des films aussi. Les deux textes nous ont publiés pour donner le prix Lysenko, qui est un anti-prix. C'est sur le site du Carrefour de l'Horloge, hein, prix Lysenko. Il y a un article, un rapport de moi et un rapport de Didier Maupas, je crois. Il y a deux rapports. Bon. Édouard Pipard dit la ligne Boris Lelay est bonne. Je pense qu'elle est un peu trop hitlériste pour rentrer dans un portail national. J'ai de la sympathie pour Boris Lelay, qui se trouve du bon côté de la barrière. Il est persécuté, etc. Bon.
il est contre l'immigration, mais il a des tendances hitlériennes qui ne sont pas acceptables. Acceptables, c'est la liberté. Mais nous sommes nationaux libéraux et nous ne sommes pas fascistes ni hitlériens. Bon. Donc il est impossible de renvoyer à la démocratie participative ou aussi de Maurice Lelay, quelle que soit la sympathie qu'on puisse avoir pour le personnage qui est courageux ou pour beaucoup de choses qu'il dit, car il dit beaucoup de choses qui sont bien vues. Mais globalement, ces tendances hitlériennes, ou plutôt néo-hitlériennes, ne sont pas acceptables pour un portail national libéral. C'est clair et net. Ce n'est pas une attaque, hein, c'est un constat. Nicolas Casse demande « Quel regard portez-vous encore sur Madame Meloni après toutes ces concessions à l'oligarchie cosmopolite ?» Ben écoutez, moi je crois que je lui conserve tout à fait mon estime et mon admiration. Elle a tenu compte des réalités politiques. Bon. Et donc, vous savez, la politique, c'est le moindre mal. Hein. Il faut suivre le principe du moindre mal. Et elle a fait ce qu'elle a pu pour l'instant, et j'espère que progressivement... D'abord, quand elle aura touché l'argent de l'Union européenne, elle pourra s'émanciper davantage. Hein. Pour l'instant, elle attend 140 milliards d'euros de l'Union européenne. Alors bon, elle en a besoin. Et justement, elle a remis les notions, les mots de père et de mère dans l'état civil. C'est la moindre des choses, vous me direz. Mais bon. AUA vous demande si vous avez vu les analyses du statisticien Pierre Chaillot sur la mortalité durant l'épidémie de Covid-19. Écoutez, j'en ai entendu parler, il paraît que c'est très, très intéressant, mais je ne sais pas trop quoi en dire. J'ai vu aussi des analyses de l'excellent Toubiana. Quel était son prénom à Toubiana ? Laurent. Laurent, je crois, Laurent Toubiana. Il a écrit un livre très bien, qui démontre que, bon, on a surestimé, bon, ça on le savait, mais on a surestimé considérablement le nombre de morts du Covid, hein, qui a été peut-être de 20 000 en 2022, mais pas de 100 000. Hein. À cause de ce qu'on appelle la comorbidité, c'est-à-dire que les gens qui mouraient du Covid, presque toujours, avaient une autre maladie. Bon. Écoutez, d'ailleurs, ça n'est pas une preuve, l'échantillon n'est pas représentatif, mais je connais quand même beaucoup de monde, sans vouloir me vanter, je connais beaucoup de monde, et je ne connais strictement personne qui soit mort à cause du Covid. Zéro. Je connais deux personnes qui sont mortes avec le Covid, c'était notamment ma sœur, ma pauvre sœur, une cousine, mais ma sœur avait été dans un état désespéré quand elle a attrapé le Covid, donc le Covid n'a rien changé. C'était en 2020, et en 2021, ma cousine avait un cancer au dernier degré, au dernier stade, donc c'est pas le Covid qui l'a tué. Bon. Donc on meurt beaucoup avec le Covid, qui peut-être dans certains cas, dans beaucoup de cas, accélère la fin, mais qui n'est pas la cause principale de la mort. Alors peut-être que le Covid va réduire l'espérance de vie s'il atteint les poumons, ça c'est vrai. Mais autant que le tabac. Galland vous demande ce que vous pensez de Charles de Courson. Ben, je le connais, écoutez, c'est un homme très sympathique, intelligent, fin. Mais bon, c'est un centriste, un vertébré, hein, sur le fond. Un vertébré. Mais il est sérieux, sur le plan de financier, c'est un homme sérieux. Oui, absolument. De qualité intellectuelle, mais politiquement, bon, il ne vaut pas grand-chose. Hein. Alors, le comte de Monténégro va vous faire plaisir et ne pas vous faire plaisir en même temps, puisqu'il nous donne $5 américains supplémentaires. Rappelons qu'il est commandeur de la cité ou mécène. Ah. Mais il nous demande, que pensez-vous des prévisions historionomique de Philippe Fabry sur la chute imminente de la 5e République. Pourquoi voulez-vous que ça me fasse plaisir ? Je pense que ces prévisions n'ont aucune valeur. Voilà, c'est tout. Je crois que comme il résonne beaucoup par... Pas plus que l'historionomie, d'ailleurs. Oui, comme il résonne... C'est une pseudo-science. Comme il résonne beaucoup par parallèle historique, il pense au serment du jeu de paume, et alors il pense que ce qui va se passer, c'est que Macron va vous réunir... Vous parlez de Philippe Fabry, hein. Philippe Fabry. Que Macron va réunir le congrès... pour mettre l'avortement dans la Constitution, et qu'à ce moment-là, il y aura une manifestation, et que sous la pression, le Congrès va se déclarer l'Assemblée constituante et changer la Constitution. Non, mais on peut toujours inventer des scénarios, si vous voulez. Bon, un scénario n'est pas strictement impossible, cette probabilité est de l'ordre de 0,01%. Hein. Voilà, bon.
Sauvé Chandler demande ce que vous pensez du rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Écoutez, ça, c'est un sujet. Tout ce qui va dans le sens de la paix et dans le sens contraire à l'hégémonie américaine me paraît bon. Hein. Tout ce qui affaiblit. Il faut voir qu'aujourd'hui, nous avons deux ennemis. L'impérialisme américain, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, sous le gouvernement de Biden. Il y en aurait différemment sans doute si c'était Trump et encore. Et deuxièmement, la superclasse mondiale. Bon. D'abord la superclasse mondiale. Bon. Sachant que dans l'affaire de l'Ukraine, comme dans beaucoup d'autres, l'impérialisme américain et l'entreprise subversive de la superclasse mondiale sont alliés. C'est l'alliance sacrée entre les deux. Bon. Je n'ai pas une sympathie infinie pour le régime iranien, mais enfin le régime iranien, c'est celui de ce peuple, c'est celui qui convient à ce peuple. Si l'ayatollah Khomeini a pris le pouvoir, c'est parce que la politique d'occidentalisation du Shah d'Iran, qu'on pouvait être sympathique, était contraire à l'identité nationale de l'Iran. Voilà. Et l'Iran est un pays profondément musulman chiite, et donc aujourd'hui, ce régime correspond à son identité. Donc je ne pense pas qu'il y ait lieu de plaindre les Iraniens. Donc ce rapprochement qui fait progresser la paix et qui fait reculer l'hégémonie américaine me paraît excellent. Je suis obligé de dire, mais malheureusement, car ce n'est pas mon envie, mais qu'aujourd'hui nous avons plutôt intérêt à favoriser la Chine, enfin plutôt à garder de bons rapports avec la Chine. Justement parce que elle fait pièce à l'impérialisme américain. Maxence de Touraine vous demande ce que vous pensez de Carl Zero. Écoutez, pas grand-chose, c'est un comique assez dégénéré. Bon, j'ai surtout connu son frère Bruno Tellen, hein, qui était très drôle, mais qui est maintenant qui est complètement désaxé. Je ne sais pas s'il existe encore, mais je n'entends plus parler de lui. Son épouse Frigide Barjot s'est illustrée lors de la Manif pour tous de manière à ridiculiser la Manif pour tous. Hein. Tourji, on va dire, vous demande si le christianisme n'est pas une forme de judaïsme et si vous n'êtes pas tenté d'embrasser l'hindouisme. Bien sûr que le christianisme est une forme de judaïsme. C'est une forme de judaïsme. C'est un judaïsme rénové. Écoutez, vous pouvez lire déjà l'article qui est sur le site lesquin.fr qui s'intitule « Zoroastre et nous, les origines zoroastriennes de l'Occident chrétien bon. ». Et vous pouvez regarder les deux conférences que j'ai faites, surtout celle du 29, je crois que c'est le 29 octobre 2022, qui est sur mon site henri-de-lesquin.fr, c'est bien ça, hein, Pierre de Tirmont. Oui. Oui, qui s'appelle « Les origines indo-européennes du christianisme ». Alors je suis obligé de vous prévenir que la conférence, qui est la plus longue que j'ai jamais faite de loin, dure 3h30, y compris les questions, hein. Le christianisme est issu du judaïsme, mais force est de constater qu'il n'a pratiquement rien gardé de sémitique. C'est le paradoxe du christianisme. C'est une religion dont le fond doctrinal est essentiellement indo-européen, enfin la base. Et puis il est entièrement nouveau pour ce qui est de la révélation chrétienne qui s'ajoute à ce qui précédait. Mais comme je l'ai expliqué, il y a eu une création ex nihilo, Dieu a créé le monde à partir de rien, ex nihilo, à partir de rien, mais il n'y a pas eu de révélation ex nihilo. Le Christ, Jésus-Christ, se réfère non seulement aux prophètes de l'Ancien Testament, mais à Saint Jean-Baptiste. Et ce que j'ai expliqué, ce que j'ai démontré, en m'appuyant sur de très, très nombreux auteurs de grande classe, hein, je ne vais pas inventer cela, c'est que les prophètes de l'Ancien Testament et Saint Jean-Baptiste, qui étaient esséniens, ont hérité des croyances zoroastriennes d'une part et bouddhistes d'autre part. Et qu'en plus, évidemment, le christianisme s'est appuyé sur l'hellénisme, c'est-à-dire la pensée grecque, la culture grecque, ce qui est reconnu depuis l'origine du christianisme. Les pères de l'Église ont cessé de le dire, d'autant plus qu'évidemment, le Nouveau Testament et une partie de l'Ancien Testament sont écrits en grec, et pas en hébreu ou en araméen.
Mais il y a tout de même une troisième composante qui est l'ajout proprement divin quand Dieu parle à travers les prophètes, non? Ou est-ce qu'on peut considérer que toute... Attendez, quand il parle à travers les prophètes, moi ce que je soutiens, c'est qu'il a parlé d'abord à travers le prophète Zoroastre. Oui, d'accord. Et qu'ensuite, les prophètes... Et quand il parle à travers des prophètes de la bouche des prophètes de l'Ancien Testament. Il faut distinguer les croyances elles-mêmes, par exemple la résurrection des morts, là, qui vient du zoroastrisme, et puis l'annonce du Christ qu'on trouve dans l'Ancien Testament, ou en tout cas, on croit trouver dans l'Ancien Testament, et là, évidemment, qui n'est pas dans le zoroastrisme. Mais qui est simplement l'annonce de ce qui va venir, l'annonce de la rédemption. Mais ce qui est très nouveau dans le christianisme, qui n'apparaît nulle part avant dans le judaïsme, ni dans ce que le judaïsme a tiré du zoroastrisme ou du bouddhisme, c'est la création ex nihilo dont je viens de parler, c'est la rédemption, qui est la conséquence du péché originel. Parce que le péché originel est une doctrine qui n'existait pas avant le christianisme. Et c'est parce qu'il y a péché originel qu'il y a besoin de rédemption. Donc ça, c'est entièrement nouveau. Donc on peut dire d'une certaine manière que l'essentiel est entièrement nouveau. Sauf que l'essentiel s'appuie sur un socle qu'on peut analyser en quatre couches. La première, c'est le proto-judaïsme, religion primitive. Hein. Dans le proto-judaïsme, d'avant 539, avant Jésus-Christ, conquête de Babylone par Cyrus, l'empereur Cyrus, l'empereur perse Cyrus, c'est une religion qui ne croit pas au salut éternel, qui pensait que les morts, quelles que fussent leurs bonnes ou leurs mauvaises actions, étaient mélangés dans le Sheol. Hein. Il n'y a pas de paradis à l'enfer, ni de jugement après la mort, ni de jugement dernier. Bon. D'ailleurs, il suffit de savoir lire. Lisez le Décalogue, qui n'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Le quatrième commandement de Dieu vous dit « Tu honoreras ton père et ta mère afin de vivre longuement ». C'est-à-dire que la récompense n'est pas dans le salut éternel, c'est sur terre. Ça, c'est peut-être vivre très longuement. Ça, c'est le proto-judaïsme. C'est une religion primitive. Bon. Ensuite, c'est formé à partir de 539, et surtout à partir d'Esdras. Lisez le livre d'Esdras, qui n'est pas très long, vous verrez. C'était Esdras qui a créé le canon de la Bible, qui a mis la Bible par écrit, qui a constitué le canon de la Bible, était un haut fonctionnaire d'Artaxerxès, l'empereur perse. Et il dit au début de son livre, lui ou le chroniqueur, si c'était le chroniqueur ou le chroniste qui a écrit son livre, il cite Cyrus qui aurait dit « Yahvé qui m'a donné l'empire sur tous les peuples du monde m'a demandé ou m'a ordonné de lui construire un temple à Jérusalem. » Bon, ce qui, évidemment, identifie Yahvé à Ahura Mazda, le dieu unique des Zoroastriens, en tout cas des premiers Zoroastriens, Zoroastre lui-même, Ahura Mazda qui veut dire le Seigneur Sagesse, évidemment, jamais Cyrus n'a adoré Yahvé lui-même, il adorait non pas le dieu ethnique des Juifs, mais Ahura Mazda. Donc, il y a donc une identification, hein, interprétatio judaïca, qui fait qu'on a identifié, qu'Esdras identifie Ahura Mazda à Yahvé. C'est là que se fait la transfusion des religions. Et encore, ça progresse lentement, parce que la résurrection des morts n'apparaît que dans les derniers livres de la Bible, qui sont deutérocanoniques, parce qu'ils sont écrits en grec, ils sont refusés par les juifs et même par les protestants, c'est-à-dire le livre des Maccabées, les deux livres des Maccabées. Donc le judaïsme, le christianisme, c'est le vrai judaïsme, par opposition au judaïsme actuel, la religion qu'on appelle judaïsme, qui est celle des pharisiens dont parle l'Évangile, dans les termes que vous savez, moins qu'on puisse dire qu'ils ne sont pas favorables, ils sont traités de tangence de vipère par Saint Jean-Baptiste et ensuite par le Christ, et de fils du diable, pas très aimable. Dans le christianisme, dans la révélation chrétienne, ce qui est ancien, ce qui précède l'enseignement du Christ, et que l'enseignement du Christ a intégré, qui était donc dans Saint Jean-Baptiste, dans les prophètes de l'Ancien Testament, ce qui est conservé de cela, du zoroastrisme et du bouddhisme. De quand datent les psaumes ? Pas que les psaumes datent d'avant le 5e siècle. Hein. L'ensemble du Nouveau Testament a été mis par écrit, constitué
au 5e siècle, vers 450 avant Jésus-Christ, donc presque un siècle après la conquête de Babylone par Cyrus. Hein. Bon, Hélène Gabriel, qui est gardienne de la cité, demande dans quelle langue Ezra écrivait la Bible. Évidemment en hébreu. Parlez bien au micro. Pardon. Il reste 5 minutes d'émission. Une dernière question, alors. Comment classez-vous les pays comme la Mauritanie et le Soudan du Nord, des pays d'Afrique noire ou des pays principalement de culture arabe ? Je les classe dans l'Orient. L'Orient sont des pays métis, mais qui, en termes de civilisation, sont à classer dans l'Orient, civilisation orientale. Lisez l'article sur le site esquin.fr qui s'appelle « Les six civilisations du monde contemporain ». Bon, il me reste, avant de finir cette émission, remercier tous ceux qui nous ont fait des dons, inviter tous ceux qui n'ont pas encore fait des dons à en faire, et à vous rappeler que jeudi prochain, 23 mars 2023, à 19h précise, il y aura la conférence très, très passionnante de Maître Guilain Benessa sur le thème « L'état de droit contre la démocratie », donc 23 mars, jeudi 23 mars à 19h précise, à Paris, 4 rue de Stockholm, 8e arrondissement. Voilà. Merci, chers amis. Et donc, rendez-vous pour ma part dans 15 jours. Nous parlerons du climat. Et ne dirons pas de bien du GIEC avec Paul de Heuvels. Et je remercie donc Pierre de Tirmont d'avoir réalisé l'émission et Maurice Seclin de l'avoir mise en scène. Mise en œuvre.